Bonsoir et bienvenue à tous. Merci d'être présents à ce webinaire sur le thème cancer et spiritualité organisé par l'association DASVOR. Avant de démarrer le webinaire, je souhaiterais vous dire un mot sur l'association DASVOR. DASVOR est une association située à Casablanca qui a pour objectif d'accueillir et d'accompagner par des soins de support les personnes atteintes de cancer, quel que soit le type de cancer, en dehors des structures de soins médicaux, selon le principe d'une médecine intégrative pour améliorer leur qualité de vie, leur permettre de se ressourcer, de rompre l'isolement et puis de prendre soin d'elles. L'association DASVOR, j'ai un peu de friture sur la ligne, je ne sais pas si vous entendez bien. L'association DASVOR coordonne, développe et met en place des services. L'aide ne se substituant en aucun cas aux thérapeutiques spécifiques du cancer ni aux structures sanitaires existantes, dont c'est la prérogative. Et pendant et après leur traitement, les bénéficiaires vont trouver dans la maison qui a été inaugurée en février dernier, eh bien, ils vont y trouver du réconfort. Ils vont pouvoir partager avec d'autres patients. Ils vont y trouver des informations à travers les différentes activités proposées, qu'elles soient individuelles ou en groupe. Toutes les activités, tous les soins de support qui sont proposés à DASVOR sont animés par des professionnels de la santé ou de l'accompagnement, psychologues, médecins, psychothérapeutes, enseignants de différentes thérapies sportives. Il s'agit notamment d'activités physiques adaptées, yoga, tai chi, qigong, grosse pilates, de séances d'hypnose pour mieux gérer le stress, la douleur et puis les effets secondaires des traitements, de soutien psychologique individuel, de soins onco-esthétiques pour retrouver une estime de soi, et ça c'est particulièrement important pendant la maladie, de groupes de parole. De groupes de parole qui deviennent des groupes aussi très solidaires entre eux, où les patients se soutiennent les uns et les autres pendant et après la maladie. Nous avons également à DASVOR comme objectif de donner de l'information et nous le faisons à travers différentes conférences, capsules vidéo. Nous avons beaucoup développé et DASVOR a dû se digitaliser du fait de la crise sanitaire. Nous avons proposé différents webinaires animés par des spécialistes pour répondre aux besoins et aux interrogations des patients. Dans ce cadre, nous avons choisi aujourd'hui d'aborder la spiritualité pour laquelle de nombreuses études et recherches ont montré le potentiel thérapeutique et l'influence positive sur la santé et le bien-être des patients. Et puis, lorsque la maladie grave se déclare, les besoins spirituels des patients, des personnes augmentent avec un questionnement plus aigu sur le sens de la vie, la relation au sacré, la relation aux autres, la relation à soi-même, la relation à Dieu. Or, n'est-ce pas un des buts primordiaux de la spiritualité que de répondre à ces questions ? D'apporter une paix intérieure, d'être source d'espoir et de donner la force et les ressources pour affronter l'épreuve. Aujourd'hui, grâce aux neurosciences, nous savons que des activités comme la méditation, comme l'hypnose et la prière agissent directement sur notre cerveau. Et le docteur Jean Becquiot nous parlera des techniques d'activation de conscience pour maîtriser la maladie. Alors ce soir, nous sommes particulièrement honorés d'accueillir autour de ce sujet passionnant et peu fréquemment abordé, trois intervenants exceptionnels. Docteur Nawel Bouir, radio-oncologue dans le secteur libéral à Casablanca, qui partagera en fait son cheminement personnel, spirituel, en tant que cancérologue, ayant exercé à la fois dans le public, au Maroc, à l'étranger, et puis maintenant dans le libéral. Nous avons également le plaisir d'accueillir le docteur Jean Becquiot, praticien des hôpitaux de Paris, en soins palliatifs et en psychiatrie,
Il est le directeur du diplôme universitaire d'hypnose clinique de Paris 11 et il est fondateur du Collège international des thérapies d'activation de conscience. Jean est par ailleurs également le président d'honneur de l'association marocaine d'hypnose clinique où il a formé un peu plus de 300 professionnels de la santé marocains à la pratique de l'hypnose médicale. Jean va ce soir nous parler des techniques d'activation de la conscience qui se sont développées dans le monde anglo-saxon depuis 3 décennies et qui en France sont employées dans certains services de cancérologie, de soins palliatifs et en psychiatrie. La spiritualité étant un des éléments moteurs de ces approches thérapeutiques. Et nous sommes également très honorés d'accueillir ce soir le docteur Fawzi Skralli, docteur en anthropologie, ethnologie et sciences des religions. Docteur Fawzi Skralli est un des plus grands spécialistes mondiaux du soufisme, écrivain, fondateur et directeur du colloque international Une âme pour la mondialisation depuis 2001. Il est également le fondateur du festival de Fès des musiques sacrées du monde et le fondateur du festival de la culture soufie. Ce soir, Dr Fawzi Skralli nous parlera de nos ressources spirituelles face aux épreuves et à la maladie. Avant de donner la parole au Dr Nawel Bouir, nous tenons à remercier nos partenaires, les laboratoires pharmaceutiques Botu, Bioderma et Cooper Pharma, pour leur soutien institutionnel ce soir. Et nous tenons aussi à remercier tous nos partenaires qui sont à nos côtés et qui ont permis que DASO puisse exister au Maroc. Je pense que je ne vais pas citer les noms parce que voilà, il y en a plusieurs, mais en tout cas, soyez tous remerciés de votre présence à nos côtés. Pour que l'association DASO puisse être pérenne et ouvrir d'autres centres dans les grandes villes du Maroc, nous avons besoin du soutien financier de tous nos partenaires et donateurs potentiels pour nous aider d'abord à lever le tabou sur cette maladie, y porter un autre regard et puis mieux accompagner les malades du cancer à travers tout le royaume. Pendant le webinaire, vous pourrez poser en direct des questions via le chat que vous avez sur votre écran, puis je vais demander aux organisateurs, aux techniciens de bien nous montrer comment les participants à ce webinaire peuvent poser leurs questions. Est-ce que Hichem, vous pouvez montrer, voilà, comment poser les questions? Parfait. Voilà, donc n'hésitez pas à poser vos questions pendant tout le webinaire et elles seront transmises directement aux intervenants. Merci à tous et puis maintenant je donne la parole au docteur Nawel Bouir. Merci Myriam. Alors à mon tour, d'abord j'aimerais remercier l'association d'Al-Zhour et tout particulièrement toi de m'avoir convié à ce webinaire. Lorsque tu m'as téléphoné pour discuter du sujet, j'ai été très émue. En fait, doublement émue. Parce que c'est un sujet qui m'est très cher, que je trouve très intéressant et qui malheureusement n'est pas du tout développé pendant les conférences de cancérologie, comme si une connexion d'un autre ordre n'était pas compatible avec la science. Et aussi émue parce que je partage ce webinaire avec deux très belles personnes qui sont les docteurs Becchio et le docteur Fawzi Skralli. Alors, pour rester dans le sujet, je vais parler juste de mon voyage spirituel en tant que médecin qui s'est fait à travers mes différents lieux où j'ai pratiqué et à travers mes rencontres que professionnelles et surtout mes rencontres avec les patients. Ma formation a débuté à l'hôpital de Casablanca, au CHU, où je me suis concentrée sur l'apprentissage scientifique du métier en tant que technicien. C'est un cursus qui est difficile, qui est très formateur, et la charge de travail était telle qu'on avait très peu de temps pour exprimer nos sentiments, mais aussi les sentiments des patients. Ça a été ma première rencontre avec mes concitoyens, avec leur indigence.
leur détresse, mais aussi leur capacité à tout accepter et souvent dans une dignité qui était admirable. Et comme on avait beaucoup de travail, je m'étais imposée une barrière, on va dire une distance émotionnelle, et j'imposais mon traitement selon, bien sûr, les recommandations internationales adaptées aux moyens du pays. Après tout, j'étais le médecin qui avait en charge de soigner des patients atteints d'une maladie grave et souvent des patients indigents. Mais à l'époque, je ne savais pas que c'était l'ego qui me dirigeait. Ensuite, je suis allée en France, à Nancy, où j'y ai appris la rigueur à l'allemande, une meilleure maîtrise scientifique, l'accès à la science y était très facilité. Mais j'ai aussi appris l'humilité par rapport au savoir. J'ai eu la chance de rencontrer de grands médecins qui étaient reconnus et qui doutaient de leur science, qui s'interrogeaient les uns les autres, qui prenaient parfois mon avis. Autre chose que j'ai appris, c'est de regarder l'impact des mots dans les yeux des patients. En effet, il y avait certains staffs durant lesquels on convoquait le patient après la concertation entre les différents spécialistes. C'était censé rassurer le patient quant à la décision thérapeutique prise. Et en fait, on était disposé en U. Le patient rentrait et il attendait cette sentence thérapeutique. Et j'ai l'image d'un patient avec un beau regard bleu, mais la peur se lisait dans ses yeux. Et tous les médecins regardaient à droite et à gauche, évitaient son regard. Le médecin traitant a fait un bref résumé de son dossier, de son observation, et lui a donné la stratégie thérapeutique sans même le regarder. Et du coup, j'ai vu le patient rechercher un regard compatissant ou s'accrocher. Je lui ai prêté le mien, et j'ai trouvé dommage que ce soit mon regard qui l'ait accroché, moi, un médecin qu'il n'avait jamais vu et un médecin qu'il n'a jamais revu, dans tous les cas, vu que ce n'était pas mon patient. Donc, à partir de ce moment-là, j'ai décidé d'assumer les traitements que je devais proposer aux patients en les regardant dans les yeux pour voir l'impact des mots que j'avais sur eux. Autre leçon que j'ai apprise, c'est que le corps des patients leur appartient et n'appartient pas au médecin. C'est une jeune patiente qui me l'a rappelé. Je lui avais demandé de se déshabiller et chose qu'elle a faite. Et ensuite, tout naturellement, j'ai posé mes mains sur son corps pour l'examiner. Et puis, elle s'est dégagée très en colère en me disant « j'aime pas qu'on me touche ». Et en fait, elle avait raison. Elle avait raison parce que je n'avais pas demandé l'autorisation de l'examiner. Pour moi, c'était instinctif. Une autre découverte que j'ai faite à Nancy, c'est ce que j'appelle la force des mots qu'on ne peut pas dire. En fait, au Maroc, dans notre langage, on a l'habitude de prier pour les patients, qu'on soit médecin ou non, en consultation ou non. Et quand je suis arrivée en France, je l'ai faite une fois devant un patient et le patient n'a pas du tout apprécié. Alors, j'ai posé la question à mes collègues pourquoi, et on m'a expliqué qu'il fallait que j'évite, que c'était ressenti comme une insuffisance de la connaissance. Donc, je me suis pliée aux exigences de la culture qui m'accueillait, ce qui est tout à fait normal. Et ça a été compliqué pour moi, ça a été dur parce que je sentais les mots qui venaient de mon cœur et qui s'arrêtaient au niveau de la bouche et pour y mourir. Et c'était cette formule banale. Cette formule banale est devenue pour moi une nécessité. Alors, excusez-moi, il y a un petit problème d'interférence avec la technique. Je pense que Nawel, tu vas pouvoir reprendre.
D'accord. Excusez-nous. Il n'y a pas de souci. Donc, et cette formule banale qui est Laï Shafi ou qui est Bismillah quand on commence un examen clinique qui, avant que je parte, était très banal, hein, c'était dans la coutume, ben, c'est devenu quelque chose d'essentiel et surtout quelque chose de sincère que je vois comme une invitation du divin dans la relation patient-médecin. Et c'est à ce moment-là, en fait, que j'ai su qu'il me serait difficile, en fait, de continuer à pratiquer, en tout cas, de pratiquer longtemps dans un pays laïque. Je suis ensuite retournée à Casablanca avec, je pensais être forte d'expérience et j'avais décidé de me protéger des souffrances d'autrui en mettant une espèce de distance entre moi et le patient, avec des petites règles de forme, tout en gardant, tout en posant la question si je pouvais examiner les patients, tout en souriant, tout en les regardant dans les yeux, dans l'intimité de mon bureau. Je m'étais posée comme règle, il fallait que tout le monde m'appelle par mon nom de famille, docteur Bouy ou madame Bouy. J'avais imposé qu'on me salue avec la main et donc à la tête. C'était rigolo parce que c'était sans compter la culture de mes compatriotes qui n'étaient pas du tout d'accord avec cette façon de faire. Alors d'abord, ils ont décidé de m'appeler par mon prénom, c'était docteur Nawal, mais la plupart du temps, c'est Nawal tout court. Ils ont décidé de me faire la bise, donc je tendais la main et on tirait pour m'embrasser. La première fois, j'ai repoussé et puis j'ai vu que les patients l'ont mal pris. Donc du coup, je me suis dit qu'il fallait laisser faire. Une fois, j'ai été amenée à voir la patiente d'un collègue qui ne me connaissait pas et qui a été très surprise de me voir sourire en consultation. Et puis, elle m'a dit, j'ai demandé bah, pourquoi. Elle m'a dit, bah, écoutez, quand vous marchez, vous avez un air qui est sévère. Et puis, nous, les patients, on ne veut pas. On ne veut pas avoir un air sérieux en face de nous. On veut avoir un visage avenant. D'accord, j'ai bien entendu. Un autre patient, et là, ça a été un peu plus... on va dire impactant par la suite. J'ai eu un patient qui recevait une radiothérapie palliative pour des douleurs osseuses. Il a, après m'avoir vu deux fois en consultation, il a refusé de me voir. Donc, je l'ai convoqué et je lui ai demandé pourquoi. Et il m'a répondu, bah, écoutez, à chaque fois que je vous vois, vous posez la question, est-ce que j'ai mal? Bah, oui, j'ai mal, c'est pour ça que je fais des rayons. Et puis, vous me donnez des médicaments et puis c'est tout. Et puis j'ai trouvé que c'était un très beau rapport, rappel à l'ordre. Et j'ai enfin compris. Et c'est à ce moment-là que j'ai compris que mon ego m'avait emprunté un mauvais chemin. Je n'étais plus dans le droit chemin, ce qu'on appelle en arabe Tariq Mustaqim. Et je me suis posé la question, mais quel médecin tu veux être? Est-ce que tu veux juste être un bon médecin technicien? Quel est vraiment mon rôle? Est-ce que c'est seulement traiter les patients quand c'est possible avec de la chimio, de la radiothérapie, proposer des médicaments? Ou le mieux, c'est en plus de les traiter quand tu y arrives ou quand tu as cette possibilité, est-ce que c'est aussi de les soulager? Et soulager de quoi? Est-ce que c'est les maux du corps? Est-ce que c'est les soulager des maux de l'âme aussi? Bien sûr, si j'en ai la permission. Les deux pour moi allant de pair. Et pour ce faire, il fallait que j'arrête de jouer un rôle, de jouer au rôle du docteur. Il fallait que je retrouve une humilité, non seulement vis-à-vis de la science, comme j'avais appris, mais aussi vis-à-vis de moi, comme ce qui est recommandé, en fait, dans tous les textes sacrés. Et une fois que j'ai compris ça, en fait, j'ai tout changé de façon vraiment instinctive. Maintenant, je souris un maximum, même dans les couloirs, même quand je marche. En consultation,
une fois que je termine mon premier interrogatoire et remplis mon dossier, je demande au patient s'il est d'accord pour que je l'examine. On passe à la table d'examen. Et durant l'examen, j'essaie de créer d'abord un lien physique. Les examens sont souvent très désagréables. Les patients ont tendance à se détacher de leur corps. Alors, j'essaie de les garder conscients avec moi. Je discute, je parle beaucoup avec eux durant l'examen clinique, même les plus intimes. Et je m'arrange automatiquement pour essayer de faire une pression voire une caresse hein, pour pouvoir les apaiser et là tout à coup le corps se livre plus facilement. Ensuite de retour au bureau, ben, je cherche le regard du patient et j'attends sa permission tout simplement de le voir, et ce tout en parlant, tout en souriant. Parfois j'ai pas la permission tout de suite, donc c'est pas grave, peut-être que je l'obtiendrai par la suite au fil des autres consultations, mais une fois que cette permission est donnée, c'est juste magique, on a les voiles qui tombent, on a une lumière qui se dégage des patients, une lumière qu'il faut être prêt à accueillir avec le cortège d'angoisse qui les suit, avec toutes les questions de « est-ce que c'est grave, docteur ? Est-ce que je vais mourir ? Est-ce que je vais guérir ? Pourquoi ? Pourquoi est-ce que je suis malade ?» ces angoisses qui sont aussi souvent les nôtres, nous, médecins. Et là, j'essaie de voir, de les écouter, mais surtout de les entendre. Et puis à ce moment-là, on arrive à dire la vérité, même si elle est terrible à entendre. On arrive aussi à les réconforter, à leur donner de l'espoir, rarement de guérison, mais un espoir en tout cas de vie meilleure, quelle que soit leur santé, parce qu'on peut partir. On peut partir en étant heureux, hein, et on peut partir à n'importe quel moment, qu'on soit malade ou non. Ça, c'est une évidence qu'on a tendance à oublier. Et puis, j'essaie de voir avec eux qu'est-ce qui leur fait vraiment plaisir. On doit faire notre traitement, notre chimio, notre radiothérapie, mais une fois tout ce qui est technique discuté, tout ce qui est scientifique, une fois qu'on en parle, j'essaie toujours de leur faire ressortir, de les faire ressortir eux en tant que personne. J'essaie Madame Bouet? Madame Bouet? Madame Bouet, nous vous entendons. On ne vous entend pas.
Vous avez, donc, il faudrait que je reprenne depuis le début de la diapo. Voilà. À la fin de la diapo. La fin de la diapo, une fois qu'on a accès à la lumière du patient, c'est ça? Oui. Voilà. Voilà. Donc, comme je disais, donc une fois qu'on a que le lien physique a été créé, et une fois qu'on a la permission de voir le patient, ben on a accès à sa lumière. On a accès à sa lumière qu'il faut être prêt à accueillir avec toutes les angoisses qui viennent avec. Et toutes les questions qui se posent, est-ce que c'est grave, est-ce que je vais mourir, est-ce que je vais guérir, qu'est-ce que j'ai fait de mal pour être malade, est-ce que c'est de ma faute, pourtant j'ai fait tous les régimes qu'il fallait, etc. Et ces angoisses qui sont parfois, si ce n'est souvent les nôtres, il faut être prêt à les accepter. Et là, en regardant et en voyant les patients, en les écoutant, mais surtout en les entendant, on arrive à dire la vérité, même si elle est terrible à entendre, et ça tout en réconfortant les patients. On leur donne de l'espoir, rarement de guérison, mais au moins d'une vie meilleure, quelle que soit leur santé. On essaie de réfléchir ensemble à leur mission de vie, parce que c'est le moment de penser à soi. Dans tous les cas, une force au-dessus de nous a décidé qu'il fallait faire une pause, donc on l'a fait, et durant cette pause, eh bien, on cherche qu'est-ce qui nous fait vraiment plaisir. Et puis si vous ne savez pas, ben, ce n'est pas grave, prenez le temps de réfléchir, prenez le temps de trouver. Si vous n'y arrivez pas tout seul, on peut vous proposer de l'aide. Il y a toute une équipe de psychologues et d'autres spécialistes qui peuvent vous aider à trouver ce qui vous ressemble le plus, votre exutoire. Et essayez surtout de vous réapproprier vous-même en tant que personne. Et il ne faut oublier qu'on est une épouse, un mari, un enfant, une mère ou quelqu'un qui travaille quelque part. Pendant ces moments, soyez vous-même. Il m'est arrivé aussi de rencontrer des patients avec une foi inébranlable, qui n'avaient aucun doute sur la bienveillance du Créateur, et ce, malgré les épreuves, ils avaient toujours un sourire, lumière éblouissante qui se dégage d'eux. Ces personnes inestimable à mon avis, parce qu'ils ont une philosophie qui est égale celle des grands maîtres spirituels. Ils m'ont renvoyé en tout cas automatiquement à ma propre foi, me donnant envie de me rapprocher de l'être suprême et d'atteindre cet état d'amour. Mais malgré ces belles paroles, il existe des moments où je suis vulnérable, hein, comme toute personne. Les moments où je déteste mon métier, ce sont les moments où j'apprends qu'un patient ou qu'une patiente rechute alors qu'ils ont fait tous leurs traitements, tous les traitements que j'ai proposés, même les plus difficiles, qui se sont battus parce que je leur ai demandé. Parce que quand ils m'ont demandé s'il y avait encore de l'espoir, je leur ai dit oui, même j'y croyais en plus. Un couple de vie encore de l'espoir, et j'ai ressenti ou je ressens de l'injustice à leur place, du doute, donc automatiquement je ressors le dossier, je le réétudie avec mes collègues, je ressens aussi de l'injustice, de la douleur. Et à ces moments-là, ben, on a le reptilien qui revient au galop. Donc, je m'enferme, je pleure. Je pleure dans l'intimité de mon bureau. Le soir, j'ai leur visage qui s'impose à moi. J'ai souvent ma collègue qui me dit à ce moment-là que c'est le moment de prendre des vacances. Et puis, je lâche prise et je laisse le temps. Et en fait, le temps me réapprend que, en fait, je suis que le moyen. Hein, je suis pas, c'est pas moi humain qui décide du devenir des gens, et c'est pas moi qui ai les choses en main, mais que voilà, je suis qu'un moyen. Il faut que je l'accepte. Que dans tous les cas, je ne connais rien à la vérité. Je n'ai que mon savoir, mais j'ai pas la connaissance.
et que c'est peut-être mon épreuve ou peut-être pas. Et là, ça va être mes co-intervenants qui vont pouvoir peut-être répondre à mes questions et répondre aux questions des personnes qui assistent à ce webinaire. En tout cas, je vous remercie de m'avoir écouté et j'espère que je n'ai pas été très longue et vraiment désolée pour ce problème technique. Là, je cède la parole à Sifouz Iskrelli. Est-ce que vous m'entendez? Oui, madame Gouet. Vous m'entendez? Oui, oui, oui. Ah, bah super, bah alors. Bah, écoutez, je me réjouis parce que c'est un petit miracle. C'était un moment où je n'arrivais pas à vous rejoindre. Bien, parfait. Bah, écoutez, très heureux d'être parmi vous. Je crois que pour des raisons qui tiennent à quelques difficultés techniques que j'ai eues, je n'ai pas pu vous rejoindre à temps. Et ne pas entendre ce que je souhaitais absolument faire, l'exposé de Madame Gouet. Mais bon, on va peut-être avoir des résonances pas nécessairement organisées, mais il y aura peut-être certainement des convergences. Et pour le moment, voilà, il faudrait juste s'assurer qu'on puisse être à peu près en mesure d'avoir ce partage enfin. Est-ce que vous m'entendez là maintenant? C'est bon? Bon. Oui, ça marche. Là, oui, bon. Ah ben, écoutez, parfait. Alors bon, donc vous me direz tout à l'heure s'il y a un peu le type de connexion qu'il peut y avoir eu de par cet exposé, parce que vous êtes une praticienne. Et déjà par les cours, à un moment où j'ai eu l'occasion de partager avec vous, je me suis rendu compte à quel point que vivre une chose, eh bien, finalement, c'est déjà une spiritualité en soi, puisque la spiritualité n'est rien d'autre que l'expérience de la vie, aussi complète et aussi aboutie qu'elle puisse être. Et c'est cela aussi qu'il est sur quoi nous pouvons nous interroger. Et également, de quelle façon aussi la spiritualité, je crois avoir compris ça dans les derniers moments de votre exposé, la façon dont on approche la spiritualité à travers une perception de la religion. Et je dois dire que de ce point de vue-là, il y a sans doute des choses à voir de plus près. Parce que il y a une forme d'approche religieuse qui peut parfois exprimer beaucoup plus une angoisse, une anxiété personnelle qu'une interprétation spirituelle dans le sens complet du terme. Et je crois vous avoir entendu dire cela. C'est l'impression, lorsque quelque chose nous arrive comme cela, quelque chose d'aussi bouleversant, d'aussi fort, d'aussi important et percutant dans notre vie, eh bien, nous estimons que, en réalité, c'est une sorte de punition qui s'abat sur nous. Et que cette punition, elle devient absurde parce que, on s'interroge sur son comportement, sur les raisons, que ça soit nous et pas quelqu'un d'autre, sur le fait que peut-être nous estimons ne pas avoir mérité cela, mais qui peut estimer mériter cela, bien entendu. Donc, il y a tout un ensemble de croyances limitantes qui prennent l'expression d'une formulation religieuse.
Et je crois qu'il faut remettre les choses dans une véritable perspective, de manière à ce que le religieux puisse être pour nous un allié et une nourriture et une ressource intérieure. Et donc, pour cela, il faut bien comprendre que la vie, si on veut la mettre dans une perspective spirituelle, il faut la considérer comme un chemin de transformation. Nous sommes là pour évoluer toute notre humanité, tout le monde, d'une façon générale, pour non seulement vivre ce qu'on tente de vivre, mais aussi de cheminer dans cette vie. Et quand je dis cheminant et cheminer, c'est un chemin d'évolution et de transformation intérieure et de conscience, c'est-à-dire vivre, c'est en quelque sorte chercher à grandir en humanité, à grandir dans notre conscience personnelle. Et c'est cela qui donne un sens à la vie. Et à partir du moment où nous mettons ce sens au bout du chemin, qu'il y a une véritable finalité, et ça c'est vrai toujours, hein, pour quelle que soit la situation dans laquelle on peut se trouver, eh bien tout ce qui nous arrive va prendre sens par rapport à cela. N'est-ce pas? Sénèque, un stoïcien, disait qu'il n'y a pas de vent favorable pour ceux qui ne savent pas où ils vont. Et je crois que lorsque nous avons comme but de nous améliorer humainement, de grandir par notre conscience, de grandir par nos valeurs, eh bien, on considère que tout ce qui peut arriver autour de soi est une façon de servir comme un levier de transformation. Alors évidemment, dans la vie, il y a des petites et des grandes épreuves. Il y a des épreuves qui nous paraissent a priori totalement insurmontables. Alors, pour essayer d'évacuer la question de dire que je reçois cela parce que j'ai pas de chance, ou bien parce que je le mérite, ou bien parce que je pas de se culpabiliser, ce qui évidemment ne fait que rajouter un stress considérable et une émotion négative considérable à la situation dans laquelle on peut se trouver, eh bien, il faut comprendre que déjà du point de vue religieux, on considère que les épreuves sont la plupart du temps données au plus grand spirituel et au plus grand prophète. Donc la question de la culpabilisation ici est sans raison et sans objet, puisque il y a des hadiths bien connus qui disent Ashadun nas bala an al-anbiya thumma al-amthal fal-amthal, n'est-ce pas? Et les gens les plus éprouvés, n'est-ce pas, dans la vie sont les prophètes, et puis ensuite ceux qui s'en rapprochent progressivement. Et donc il faut commencer à donner au statut de l'épreuve une autre signification, qui n'est pas celle de la punition, qui n'est pas celle de la sanction, mais qui est celle de la transformation, de l'opportunité de se transformer. Alors là, il nous suffit de prendre l'exemple que l'on trouve aussi bien dans le Coran que dans la Bible, que dans les textes scripturaires abrahamiques, qui est Ayoub, hein, c'est Ayoub, Job, n'est-ce pas, qui va aller jusqu'à l'extrême de ce que peut être l'épreuve d'un humain, pas aussi bien dans ses biens que dans son corps, mais qui garde, et je crois avoir entendu ces dernières phrases aussi, Madame Bir, qui garde cette foi extraordinaire, cette conviction profonde comme quoi il y a toujours une lueur au bout du chemin et que Dieu sera toujours à ses côtés. Malgré les péodéries, malgré les espèces de plaidoyers qui sont faits par un certain nombre de personnes qui étaient autour de Job, comme Eliphaz et d'autres dans la Bible, qui essaient de le convaincre justement, parce qu'on a toujours cette espèce de discours selon lequel nous sommes en réalité coupables, nous sommes en réalité, il y a quelque chose qui ne va pas, mais Job ne veut pas prendre tout cela en compte. Il ne prend en compte qu'une seule réalité, c'est qu'il a la conviction que sa foi le sauvera en dépit de tout. Et cela va nous ramener, et là vraiment ce sont les conditions les plus extrêmes, justement pour nous servir de modèle en quelque sorte. C'est-à-dire qu'on ne pourra jamais atteindre cette
ce niveau d'épreuve qui a été celui de Job. Donc finalement, nous avons une marge en quelque sorte humaine à pouvoir suivre. Mais simplement, ce qui est très important, c'est que Job n'a rien à se reprocher. Il le dit. Et il le dit. Donc il comprend qu'au fond de tout cela, il y a une métanoïa, il y a un processus de transformation, il y a une épreuve considérable, mais dont il est sûr que finalement elle prendra sens. Et c'est ça le chemin du sens. Donc je vais essayer d'expliquer pourquoi j'évoque cette possibilité, parce que en réalité, si on met tout cela dans cette perspective, de travail sur soi, d'évolution, de comprendre que les plus grandes épreuves, quelles qu'elles soient, eh bien, sont des fenêtres aussi, sont aussi des possibilités de se transformer. Et je vais essayer de revenir sur la question de l'attitude, parce que c'est vrai qu'on n'est peut-être pas forcément toujours accompagné pour avoir l'attitude la plus juste et la plus authentique, d'ailleurs aussi bien du côté des médecins que du côté des patients lui-même, des patients eux-mêmes. Et donc il y a cette double peut-être connaissance qu'il faudrait avoir, expérience qu'il faudrait développer de ce qu'est la communication dans ce cas-là. Alors vous avez raison, parfois il y a un peu l'étruisme habituel de la religion, mais tout cela c'est Dieu qui l'a voulu, nous ne pouvons rien, il faut l'accepter, ainsi de suite. Ce qui n'est pas faux sur le fond, mais ce qui est faux par le fait que tout cela, c'est des formules, n'est-ce pas, mais qui ne sont pas porteuses de sens réel. Et c'est pour cela qu'une des relations fondamentales qui doit s'inscrire entre un médecin et son patient, c'est véritablement la relation de l'empathie, non pas de la pitié, parce que c'est la pire des choses, n'est-ce pas, hein. La pitié, c'est une certaine façon de dire... Heureusement que ça ne m'arrive pas à moi et que ça arrive à quelqu'un d'autre, et je suis très triste pour que cela arrive à d'autres personnes. C'est une façon tout à fait, si je peux dire, tronquée d'entretenir une vraie communication. Et la vraie communication, ce n'est pas celle de la pitié, mais de la compassion et de l'écoute compassionnelle, ce qui est tout à fait différent. De la capacité d'être dans une écoute compassionnelle, c'est-à-dire d'être dans une attitude de congruence et d'authenticité. Je crois que ce dont a besoin la personne qui est dans un état probablement de choc très très grand, c'est aussi de pouvoir être sûr qu'elle est véritablement écoutée et qu'elle est véritablement comprise dans ce qu'elle est, n'est-ce pas, et tout simplement accompagner dans ce qu'elle ressent. Alors, cette question de l'empathie est évidemment fondamentale, et elle va nous conduire vers quelque chose qui est l'attitude ensuite, parce que tout cela, je crois que aussi bien du côté médical que du côté des patients, il y a un entraînement de tout cela. Ça ne vient pas tout seul. Il faut savoir qu'il y a une façon de développer ce type de communication, je dirais presque des techniques à mettre en place, et nous pourrons également parler. Mais ce qui est très important, c'est aussi le fait qu'il y a une attitude qui consiste à dire, je parlais tout à l'heure de Sénèque ou des stoïciens, il y a des principes de sagesse dans ce type de comportement. Quels sont ces principes de sagesse? Eh bien, c'est quelque chose qu'on va retrouver au fond de la spiritualité de l'islam et des grandes spiritualités, quelles qu'elles soient. C'est le fait à la fois d'être actif, à la fois d'être responsable, à la fois d'être engagé et à la fois de laisser une place à l'abandon intérieur et à la confiance. C'est « aqila wa tawakkal ». Lorsqu'il s'agit du fameux hadith, lorsque quelqu'un demande au prophète s'il voudrait qu'il attache sa chamelle ou qu'il compte sur Dieu, il dit attache ta chamelle et compte sur Dieu. Ah, il est très important d'avoir cette attitude qui est d'être actif extérieurement et d'être dans un état d'écoute, de confiance, de lâcher prise, d'abandon intérieur et de confiance intérieure.
Et cette attitude-là est aussi quelque chose qui a besoin d'être développé, et ça ne vient pas facilement. Parce que soit on est dans une espèce de frénésie, de volontarisme, et évidemment, lorsqu'on est tout à fait dans l'anxiété du résultat, et que le résultat ne suit pas, on est dans une espèce de sensation de tragédie et de drame et d'anxiété constant. Soit on est dans une espèce de résignation et parfois même habillé de religion, n'est-ce pas? C'est une espèce de résignation, de passivité totale, hein, en disant Adakada Allah, Adar Rida de Allah, et toutes les deux attitudes sont fausses. Hein. Et vous savez, on parlait des sagesses universelles, c'est exactement en parlant des stoïciens ce qu'ils disent lorsqu'ils disent que dans cette fameuse formulation ou une forme de prière où ils disent Dieu, permets-nous d'avoir la connaissance de ce qui dépend de nous et que nous puissions le faire, et permets-nous d'avoir la connaissance de ce qui ne dépend pas de nous et que nous devons accepter, et donne-nous l'intelligence et la discrimination pour qu'on puisse faire la part des choses entre l'un et l'autre. Donc, il s'agit là de principes extrêmement importants, d'une forme de coaching spirituel qui consiste à savoir que l'on a une part à faire, mais qu'on a une part aussi de confiance et de lâcher prise intérieure. D'autant plus, et ça c'est un point qui me paraît extrêmement important, que ce lâcher prise intérieure n'est pas simplement une façon de se rendre la vie plus facile, parce qu'après tout, on vit plus agréablement si on est dans la confiance que si on est dans l'anxiété permanente. Mais parce que, et c'est ce qui a été prouvé, ce sont des choses, des explorations qui seraient très, très intéressantes de développer par la suite, c'est qu'il y a une certaine relation qui peut y avoir entre notre conception spirituelle et les impacts que celles-ci ont sur notre corps et sur notre cerveau. Voilà. Et c'est cette connexion qui commence à s'établir de plus en plus entre la spiritualité et la psychothérapie. Et on a pu voir dans différents travaux, évidemment, Jean Bécu en parlera tout à l'heure de façon particulièrement précise et compétente. Il y a, on le sait, par le fait de se représenter les choses avec une positivité, avec une confiance, tout cela va activer certains circuits limbiques, n'est-ce pas, qui concernent l'émotionnel dans notre cerveau, et va pouvoir avoir une influence sur le complexe amygdalien, n'est-ce pas, qui est le lieu de la tension, qui est le lieu de la peur, qui est le lieu de la colère, qui est le lieu de des extrêmes chocs qui peuvent se produire, et qui, évidemment, comme on peut l'imaginer, a une influence considérable sur notre métabolisme, tout simplement corporel, et sur tout ce que cela peut occurrer, non simplement sur notre clarté, la façon dont on peut approcher les choses avec une certaine sérénité, mais aussi tout simplement par le fait de créer un désordre physiologique considérable, puisque je crois que la part du stress et la part de l'anxiété, aujourd'hui, n'est plus à démontrer. Et donc, mais par contre, ce qu'on a pu démontrer, c'est que la représentation positive, et il y a une parole prophétique qui dit Ana inda dhanni 'abdi bi, je suis dans la conception que mon serviteur se fait de moi. Voilà. Et donc c'est très important, c'est-à-dire qu'en quelque sorte la personne devient co-acteur de sa propre guérison avec Dieu. N'est-ce pas? Elle devient co-actrice de ce processus de guérison, parce que plus nous nous faisons une conception de confiance, une certitude de confiance, un abandon intérieur, une espèce d'énergie et de ressources que l'on ne cesse d'entretenir et de nourrir, et plus tout cela a des répercussions sur l'ensemble de notre métabolisme et de nos processus physiologiques. Et évidemment, tout cela, on peut l'imaginer aisément, mais cela a été également largement démontré. C'est quelque chose qui a un impact tout à fait réel sur le processus de guérison. Et donc,
voilà, il y a un ensemble de choses à aligner. D'abord, ne plus être dans des croyances limitantes fausses, même au nom de la religion. Comprendre que le vivre, c'est être dans une épreuve. Naître, c'est être condamné à mourir. Et que la mort fait partie de la vie. Et que cela doit être fait de telle façon que ça soit intégré comme une réalité de la vie qui nous nourrit, qui nous rend plus forts. Parce que c'est simplement avoir une conscience de ce qui nous attend de toute manière. Simplement, la maladie va en quelque sorte accélérer cette conscience d'une façon extraordinaire, mais c'est vrai pour tout le monde, n'est-ce pas? N'est-ce pas, le Coran. Et il y a ces deux choses sont dans une alliance continuelle et une complémentarité perpétuelle. Simplement, très souvent, l'épreuve va accélérer notre conscience des choses et notre rapport avec ces choses-là. Et donc, ce rapport de la transformation est tout à fait considérable et il n'est pas, c'est pas tout à fait secondaire ou subsidiaire. C'est vraiment le cœur et même l'essence même de la vie. C'est la substantifique moelle de ce que nous avons à vivre et à accomplir. Et donc, c'est tout simplement prendre conscience de cette dimension absolument extraordinaire qui peut rendre la vie passionnante, même avec les épreuves les plus considérables, comme on a pu le voir par rapport à des personnalités qui, de ce point de vue-là, ont vécu tout cela avec la plus grande amplitude que l'on puisse imaginer. Alors, pour terminer, je voudrais simplement dire que cette capacité de comprendre qu'il y a une façon de vivre les choses de manière à ce que et on peut mettre en place une forme de psychothérapie spirituelle. Alors, qu'est-ce que c'est que cette psychothérapie spirituelle? Eh bien, c'est la capacité de travailler sur nous par un certain nombre d'exercices qui vont nous rendre capables d'élever en nous notre conscience et surtout qui vont nous rendre capables de dissocier notre conscience de son identification extérieure et en l'occurrence de l'identification purement physiologique. Parce que l'âme est aussi au-delà de la physiologie. Et donc cette capacité de monter en conscience et de voir notre physiologie avec une certaine distanciation, c'est le principe même du dhikr. Et c'est le principe même de la méditation. Et du sens de la méditation. Et c'est le principe même de ce qu'on appelle communément aussi la pleine conscience. Et donc, être dans ce processus, c'est véritablement devenir le co-acteur avec Dieu d'une transformation de soi et d'un processus tout à fait réel et tout à fait tangible de la guérison. De toute manière, la guérison ne dépend pas de nous, n'est-ce pas? Encore une fois, ce qui dépend de nous, c'est l'action, c'est l'engagement, mais pour le reste, c'est un détachement et justement, ce détachement lui-même est un facteur encore supplémentaire de ce processus-là. Et en tout cas, ce qui est certain, et c'est la chose probablement la plus importante, c'est que ce processus de guérison va nous amener à un accomplissement de soi, à un accomplissement de notre spiritualité, à un accomplissement de ce que nous portons de plus précieux de notre conscience en tant que humain et en tant que étant dans ce monde pour donner du sens à notre vie et donner du sens à notre chemin spirituel. Et je vous remercie. Merci, Fouzi. Alors, qu'est-ce que vous préférez? On a certaines questions qui ont été posées. Est-ce que vous voulez qu'on y réponde de suite? Il y a une question, je pense que vous y avez répondu en partie. Y a-t-il des études qui démontrent que notre personnalité et nos émotions sont une cause de cancer? Par la Tefesh Shrif. Pardon, quelle est la question? Y a-t-il des études qui démontrent que notre personnalité et nos émotions sont une cause de cancer? Mais en fait, vous avez abordé, je pense, la question.
Oui, c'est-à-dire, c'est très important de, je crois que, encore une fois, j'ai essayé de terminer par la méditation, et j'ai même pas voulu citer hypnothérapie parce que Jean va aborder ça de façon très précise à l'instant même. Mais ce que je voulais dire, c'est que je crois, c'est vous qui allez nous le dire, les spécialistes, mais je pense que la dimension ou le paramètre ou le facteur du stress et de la vie du stress, des personnes stressées, en stress de façon générale, est probablement un facteur largement favorable et propice au développement des maladies en général. Et je crois même que c'est maintenant prouvé que c'est aussi lié au cancer. Mais encore une fois, c'est ce que j'ai essayé de dire, c'est valable dans les deux sens. Et c'est pour ça que d'une certaine façon, ce qui nous arrive est probablement par différentes façons un ensemble de facteurs, quelque chose qui est l'aboutissement d'un développement physiologique, c'est-à-dire qui nous est propre. Mais encore une fois, il faut le prendre comme un signal. Il faut le prendre comme un moment d'une extrême force, quelquefois, mais c'est aussi le propre de ce chemin de vie pour, en quelque sorte, faire de cette situation un moment véritablement fondamental pour se transformer, pour transformer notre façon de vivre. Mais encore une fois, il est très important pour cela, d'aborder les choses pas d'une façon, si je puis dire, encore une fois, simplement quantifiable, comptable, n'est-ce pas? J'ai fait ça bien, donc j'attends cela. Non, je pense qu'il faut sortir de cette parfois approche de la religion, qui est une approche, si je puis dire, purement faite à partir de la punition et de la récompense. Pour comprendre tout ça comme un chemin d'approfondissement spirituel et que le but aussi est cet approfondissement en soi. C'est pas simplement quelque chose qui peut nous servir à la guérison, mais c'est aussi une raison de ce qui nous arrive pour nous donner cette possibilité de transformation. Merci, Dr. Stelly. Je pense qu'on va passer à la présentation du Dr. Becchio. Dr. Jean Becchio. Oui. Oui, bonsoir. Moi, j'écoute depuis un moment. J'ai été fortement intéressé, ma chère consoeur Nawal Bouy, par tout ce que vous avez dit, votre cheminement. Superbement intéressé, bien sûr, par ce qu'a dit le docteur Fawzi Skali, mon ami, avec cette superbe phrase, nous ne sommes pas responsables de la guérison. En revanche, nous sommes responsables de l'action. Et votre cheminement, Nawal, je fais comme vos patients, je vous appelle par votre prénom, m'a éveillé en moi quelques souvenirs. Je ne savais pas quoi dire. Je suis honoré qu'on m'ait demandé de participer à cette soirée sur cancer et spiritualité. J'ai commencé moi-même mes études de médecine et comme j'avais pas trop d'argent pour les payer, je travaillais la nuit dans le centre de cancérologie qui s'appelle l'Institut Gustave Roussy à Villejuif comme infirmier. Je suis jeune, je commence mes études de médecine. Je vais voir un patient le soir à 21h, il me dit « pouvez-vous m'aider à prendre une douche ?» Je lui dis « pourquoi à cette heure-ci » Il me dit « je me sens pas très bien et si je meurs, eh bien au moins je serai propre. » Mais je lui dis « mais mon brave, regardez, vous êtes debout, vous allez à la douche, vous discutez, vraiment vous êtes en pleine forme. Comment envisagez-vous de mourir ? Allez, prenez votre douche si vous voulez et puis allez dormir tranquille. » Et le matin, quand je suis allé le visiter, il était mort pendant la nuit. Ça m'a sidéré, j'avais même pas 20 ans. 4 ans après, je me retrouve dans le même hôpital, l'Institut Gustave Roussy, comme jeune externe dans le service d'oncopédiatrie. Et là, mon interne me dit « va examiner ce gamin de 7 ans qui a un cancer, qui souffre beaucoup et qui est en fin de vie ». Et je vais dans la chambre de cet enfant, j'essaie d'interroger cet enfant, il me regarde tristement, et puis il ne répond pas à mes questions, il tourne la tête vers le mur et il se met à pleurer silencieusement. Et je revois encore 50 ans après ces larmes qui sont là. Et là, tu vois, Fawzi, je ne sais pas quoi dire. Je n'arrive pas à passer dans l'action. La guérison, je ne peux pas lui dire, il va guérir. Je sais qu'il va mourir.
le monsieur précédent, je lui avais dit qu'il n'allait pas mourir. Je n'ose plus dire cela, mais je ne sais pas quoi faire. Je ne suis pas dans l'action. Et ce n'est que quelques années après, quand je découvre les soins palliatifs, que là, je comprends que la seule chose à faire, je ne peux pas guérir une personne. Même un diabétique, je ne le guéris pas. Même un déprimé, je ne le guéris pas. Je lui permets de passer son temps de guérison, je l'accompagne. Et je suis un acteur qui doit agir. Et lorsque je vois un patient maintenant qui a un cancer ou qui est en soins palliatifs en phase terminale, tout de suite, j'établis avec lui trois projets. Projet immédiat, vous avez, mon cher patient, une grande souffrance morale ou une grande douleur physique, il faut que dans les minutes qui viennent, je dis bien dans les minutes et pas dans les heures et les jours, je soulage cette douleur physique, je soulage cette souffrance morale. C'est une urgence, c'est le projet urgent. Et on a les moyens de le faire, moyens médicamenteux ou moyens, avec mes techniques que j'emploie d'activation de conscience, qui ont remplacé l'ancienne hypnose que je pratiquais. Deuxième cas, le patient n'a pas une urgence de grande douleur ou de grande souffrance. Il est fatigué, il est inquiet, il est déprimé, il n'a pas confiance en lui. Là, c'est le projet, je dirais, à moyen terme. Il faut que dans les heures qui viennent ou les jours qui viennent, je remonte son moral et je remonte aussi son physique pour lui permettre de passer à l'action. Quelle action ? Une action qui l'intéresse. Par exemple, c'est le matin, en soins palliatifs, la personne que je rencontre, qui est en fin de vie pour un cancer, n'a pas le moral, elle est triste, elle est fatiguée et elle n'a pas de forte douleur non plus. Je vais lui faire des soins particuliers dans cette matinée pour que l'après-midi, elle puisse recevoir sa famille et participer au discours, au dialogue ou trialogue avec sa famille, avoir suffisamment d'énergie. Et puis, les projets à long terme, c'est par exemple, je prends toujours en soins palliatifs une personne qui me dit « Je sais que ma vie ne va pas durer très longtemps, je voulais me marier, je n'ai pas réussi à me marier. » Eh bien, c'est un projet à long terme et on va établir tous les moyens pour qu'elle puisse se marier. Et en France, lorsqu'on veut se marier, il faut publier des bans, ça prend un mois minimum. On va faire en sorte que de passer au-delà de la loi et que le maire nous autorise à marier cette personne dans la semaine qui vient. Ça s'est passé deux fois dans mon service de soins palliatifs. Ça a été un grand bonheur de fin de vie pour cette personne. Et puis, il y a une personne qui m'a marqué. Lorsque j'ai commencé à découvrir les soins palliatifs, je connaissais déjà bien l'oncologie depuis ma jeunesse, je vous en ai parlé un petit peu. La première patiente que j'ai eu à traiter était une patiente de 35 ans, cancer de l'ovaire, en fin de vie avec un cancer de l'ovaire. Et cette dame, elle souffrait terriblement et les morphiniques ne calmaient pas sa douleur. Alors on lui a proposé de faire ce qu'on appelle une sédation, c'est-à-dire finalement de l'anesthésier pour qu'elle ne souffre plus. Elle nous a demandé ce qu'était la sédation, elle ne le savait pas. On lui a dit, vous allez perdre conscience, comme dans une anesthésie, mais vous ne souffrirez plus. Elle a refusé. Pourquoi a-t-elle refusé? Parce que à côté d'elle, juste à côté d'elle, se trouvait sa fille Joanne, de 8 ans, et à cette petite fille, elle donnait tous les jours des leçons de vie, une sorte de catéchisme, parce qu'elle était croyante, et elle lui racontait ce qui était l'essentiel dans la vie, et elle partageait sa croyance en une vie spirituelle au-delà de la mort. Alors, comme elle refusait la sédation et qu'elle souffrait, on m'a envoyé, moi, Jean Becquiot, parce que j'ai une technique de langage qui peut activer la conscience et entraîner une anesthésie ou une analgésie dans certains cas. Et donc, je me suis trouvé devant cette dame qui m'a exprimé sa souffrance, son regret de ne pas pouvoir accompagner sa fille plus loin. Et je lui ai fait une séance qui dure 4 à 5 minutes en utilisant la parole pour créer cette analgésie. Et à la fin de la séance, au bout de 5 minutes, cette dame qui souffrait me dit « Docteur, quel plaisir !» Docteur, quel plaisir en soins palliatifs, en fin de vie, parce que tout simplement, elle avait ressenti une diminution de la douleur. Et tu le sais, Fauzi, c'est Platon qui l'a dit, le plaisir, c'est l'absence de douleur. Et c'est vrai, lorsqu'on a une douleur et qu'on enlève la douleur, d'un seul coup, on ressent le plaisir, même en fin de vie. Là, j'étais passé à l'action et j'étais content. J'avais eu cette action, disons, permettant à la personne d'être plus confortable. Et à partir de là, cette dame a pratiqué l'exercice que je lui ai donné. Elle l'a pratiqué chaque fois qu'elle avait une poussée douloureuse et ça lui permettait de continuer
à communiquer avec sa fille. Et lorsqu'elle est morte, 8 jours après, sa petite fille était là, avec son mari aussi. On a fait sortir la petite fille de la chambre pendant que les infirmiers préparaient le corps de la patiente pour les soins post-mortem. Et la petite fille s'est assise dans le salon que nous avons. Elle s'est assise sur un divan à côté d'un monsieur de 45 ans qui pleurait. Elle a demandé au monsieur « Pourquoi tu pleures ?» Et le monsieur lui a dit « Je pleure parce que comme toi, je viens de perdre ma maman. Elle vient de mourir dans le service. » Et la petite fille a mis sa main, sa petite main sur la grosse paluche du monsieur et elle lui a dit « Ne pleure pas. Maman, elle m'a dit que lorsqu'elle serait morte, elle serait dans le ciel, là-haut. Elle me regarderait et elle m'accompagnerait. Alors ta maman, elle est là-haut aussi et elle t'accompagne aussi. » Le monsieur a écrit dans notre livre d'or « Mes larmes de tristesse se sont ont été transformées, métamorphosées, comme tu dis tout à l'heure dans ton exposé, métamorphosées en perle d'espérance. » Alors voilà un peu mon expérience que j'ai vis-à-vis de ces maladies sérieuses qui toutes ne conduisent pas à la mort. Ma mère a eu un cancer du sein à l'âge de 35 ans, on lui a enlevé le sein, on a fait des soins. Elle a eu un cancer du deuxième sein à l'âge de 50 ans. Là, j'étais médecin, je me suis un peu occupé. On a fait les soins et elle est morte à 95 ans d'un cœur qui était un peu défaillant. Donc, toutes les personnes qui nous écoutent et qui ont un cancer ne sont pas vouées à une mort par cancer. Elles sont toutes vouées à la mort, comme l'a dit Fauzi, qui est une mort souvent naturelle et une mort qui peut arriver à 90, 100 ans. Je vois beaucoup de personnes qui sont porteuses de cancer et qui sont centenaires. Et que faire pour les aider? Il faut faire ce que vous avez dit, ma chère consoeur, et je ne pourrais pas en rajouter plus, être humain, être dans le contact, employer les bons mots. Et c'est vrai que certains mots favorisent, j'allais dire, l'installation du confort chez le patient. D'autres mots sont destructeurs et vont détruire même la petite lueur d'espoir. Et comme tu l'as dit, Fauzi, je retiens ta dernière parole, il faut trouver un moyen d'être actif, de passer, nous, à l'action, et de relancer le patient dans l'action. Docteur, je vais mourir. Et là, les patients me disent ça. Que répondre à ça? Je leur réponds, quand vous me dites que vous allez mourir, que ressentez-vous? Et que voulez-vous dire vraiment? Et là, ils me disent, bien, quand je vous dis que je vais mourir, en fait, je regrette de ne pas pouvoir réaliser un projet que j'ai réalisé. Et là, ce n'est plus la peur de la mort. C'est l'étude du projet que l'on peut l'aider à réaliser dans cette partie de vie. On ne sait jamais quand on va mourir. En soins palliatifs, j'ai vu des gens rentrer, ils en avaient pour 48 heures. 6 mois après, ils étaient encore là. J'en ai même vu 2 qui sont sortis parce qu'on s'est rendu compte au bout de quelques mois que c'était un faux diagnostic. Alors l'espérance, elle est toujours là et la spiritualité, elle est toujours là. Si j'ai encore 2 minutes, je vais dire quelque chose, c'est que dans notre approche, en France, on a une approche assez laïque. Quand j'ai commencé mes études de médecine, on nous disait « vous pouvez parler de tout aux patients, parler de tout sauf de politique et de spiritualité. Médecine laïque, pays laïque. » Je l'ai appliqué pendant quelques temps, mais très rapidement, quand j'ai découvert la cancérologie et surtout les soins palliatifs, je me suis rendu compte que c'était une honte de ne pas parler de spiritualité à un patient qui a de la spiritualité. Et c'était même une honte et une faute de ne pas parler à un patient de spiritualité alors qu'il est athée. Être athée, c'est avoir une forme de spiritualité particulière. Et dans tous les cas, on doit parler de spiritualité. Et là, moi, il y a 5 règles, et je vais terminer là-dessus, qui sont importantes pour moi dans mon rapport avec un patient. Ces 5 règles, elles sont caractérisées par un mot français qui commence par A et qui se termine par R. A-M-O-U-R, amour. A, c'est l'adaptation. Je m'adapte au patient. Dans ma clientèle de banlieue parisienne, je reçois des ouvriers, comme il m'arrive de recevoir des ministres parce qu'ils m'ont vu passer à la télé ou des choses comme ça. Quand je suis avec un ouvrier, je ne suis pas un médecin, je suis un ouvrier. Quand je suis avec un ministre, je ne suis pas un médecin, je suis un ministre. Et ça, vous l'avez dit, ma chère consoeur, on n'a pas à jouer au docteur, on a, disons, à être un peu un artiste qui se met dans le rôle d'adaptation au niveau de compréhension du patient. Et si le patient est un étranger, et dans ma clientèle, il y a beaucoup d'étrangers, beaucoup de gens qui viennent du Maghreb, à côté de mon cabinet, il y a un foyer dans lequel il y a beaucoup de gens qui viennent du Maroc, d'Algérie, de Tunisie,
je m'adapte à eux, je m'adapte à leur niveau de compréhension du français. Et s'il le faut même, je leur demande qu'ils m'expliquent des mots en arabe ou dans leur dialecte pour utiliser ces mots dans la relation. Cette adaptation, c'est le point de départ. C'est le A. Le M, c'est ce que tu as évoqué, Fawzi, c'est le changement, la métamorphose. Lorsqu'on dit à un patient qu'il a un cancer, obligatoirement, on entraîne une métamorphose. Il n'est plus le même. C'est comme une chenille, le jour où elle devient papillon, elle est métamorphosée, elle ne redeviendra jamais chenille. Un patient, lorsqu'on lui donne le diagnostic de cancer, il change. Et il faut qu'on profite de cette métamorphose pour l'aider à vivre cette métamorphose, à accepter ce nouveau corps, ces nouvelles ailes qui lui permettent de voler là aussi. A-M-O, c'est l'orientation. L'orientation, c'est le sens que l'on donne à notre direction thérapeutique. On est avec le patient, on a sa confiance, on va l'accompagner tout au long de la maladie dans une certaine direction qui est la direction que choisit le patient. Ce n'est pas la direction que je choisis moi, c'est lui qui choisit sa direction et qui me l'indique et je fais en sorte de l'accompagner le plus confortablement possible. A, M, O, U, c'est l'utilisation. Utiliser l'intelligence du patient, le cœur du patient, ce qu'on appelle ses ressources. S'il est boulanger, je vais utiliser sa qualité de boulanger pour l'aider. S'il est agriculteur, je vais utiliser sa qualité d'agriculteur. S'il est ministre, j'utilise ses particularités de ministre. Utiliser ce qui vient du patient et utiliser ce qui vient de moi aussi, de ma culture, de ce que je sais de la médecine. Et puis, le dernier, R, A-M-O-U-R, c'est être respectueux, c'est le respect. Et c'est là qu'intervient la spiritualité. Respecter l'esprit du patient. Respecter son corps, bien sûr, ça, Nawal, vous l'avez dit, faire attention quand on le touche, de lui dire qu'on va le toucher, etc. Ça ne pose aucune question. Il faut être respectueux du corps du patient. Et même si on peut se passer de les toucher, on ne les touche pas. En revanche, les toucher avec nos mots, notre regard, notre cœur, et là, l'espiritualité intervient. On leur fait comprendre que nous-mêmes, nous sommes spirituels. Je suis croyant et je le dis à mes patients, je ne vis pas ça comme une honte dans un pays laïque et je partage cela. Et ceux qui ne sont pas croyants, je n'essaie pas de les convertir à ma croyance. Je leur parle de leur non-spiritualité, c'est-à-dire de leur philosophie, de leur façon de voir la vie et on va utiliser cette philosophie pour les aider. Voilà à peu près ce que je voulais dire après avoir écouté vos deux brillants discours qui m'ont fait naître ces quelques idées dans ma tête. Merci beaucoup pour ce très beau témoignage. Là, je pense qu'on va passer aux questions. Alors, je vais revenir sur la question de Latifa Sherif qui demande s'il y a des études qui démontrent que notre personnalité et nos émotions sont une cause de cancer. Alors, c'est une question. Ah, tu voulais répondre ? Allez-y. Vas-y, Jean. Ah, d'accord. Justement, parce que c'est une question terrible. Terrible. Ma génération, puisque je suis le plus âgé de vous trois, on avait vu des études qui montraient que des dames avaient des cancers du sein parce qu'elles avaient été, disons, abusées, violentées dans leur enfance. C'est une étude qui est parue dans le Lancet, grande revue, et on sait maintenant, 30 ans après, que cette étude était complètement fausse, mais complètement fausse. Et maintenant, on sait que, quelles que soient nos émotions, quelles que soient nos personnalités, ça n'a pas de lien avec la genèse d'un cancer. Et ça, je le dis haut et fort, car ça culpabilise les personnes. Tu as ton cancer parce que tu es peureux. Tu as ton cancer parce que tu es jaloux. Tu as ton cancer parce que tu es coléreux. Et la personne, c'est la double peine. En plus de son cancer, on lui reproche le type émotionnel qu'elle a. Il y a des coléreux qui ont des cancers et des coléreux qui n'ont pas de cancer. Et pareil pour la tristesse, pareil pour... Et il y a des joyeux, des très joyeux, qui ont des cancers. Donc, oublions cela. Et si des personnes qui ont un cancer ont entendu dire que c'est à cause de leur personnalité, de leurs émotions, oubliez-le. Les causes du cancer, on commence à les connaître un petit peu. Il y a des causes génétiques qui sont connues. Il y a des causes environnementales, mais des causes, je dirais alors, de conduite personnelle, bien sûr, si je fume comme un pompier, j'augmente le risque, je ne deviendrai pas cancéreux systématiquement, j'augmente fortement le risque d'avoir des cancers du poumon. Donc là, je suis affirmatif pour cette question qui est importante pour ceux qui sont porteurs d'un cancer. Je n'aurais pas
Je voudrais pas mieux exprimer que toi cette vérité. Alors, on a une autre question qui m'est adressée cette fois-ci. Est-ce que des études sur les personnes qui ont refusé le protocole et qui sont sorties, j'imagine, et comment? Alors, si j'ai bien compris, est-ce que il y a des personnes qui sont guéries de leur cancer alors qu'ils ont refusé le protocole de traitement? Alors, déjà, ça va dépendre du cancer et de son stade. On a certains cancers où on sait que le traitement est une option, et il n'est pas obligatoire et que la surveillance peut être proposée. Et chez ces gens-là, on n'est pas sûr qu'un traitement anticancéreux va leur apporter un plus. Donc, on discute avec eux, ils ont le droit de refuser la proposition de traitement. On a aussi, mais par contre, on a certains cancers où on sait qu'on doit agir, que la rechute survient dans une grande proportion si on ne fait rien. Donc, j'espère que j'ai répondu à cette question. Je peux ajouter un tout petit complément. C'est une très, très belle réponse. C'est une question qu'on nous pose souvent. Est-ce que je dois faire le traitement? Est-ce que je dois écouter l'oncologue, suivre le traitement, ou est-ce que je dois plus voir l'oncologue? Parce que les oncologues, on le sait très bien, ils ne donnent que des traitements oncologiques qui vont me tuer. Et là, je sors je m'adresse là, peut-être pas tellement aux Marocains, mais aux Français qui écoutent. Parce qu'en France, en soins palliatifs, j'ai vu souvent des gens venir en soins palliatifs parce qu'ils avaient fait un refus du soin proposé avec beaucoup d'intelligence par l'oncologue. Et je cite tout simplement un cas très simple. Un monsieur, ça s'est passé il y a 7 ans, 8 ans. C'était un monsieur très, très riche et très hypochondriaque. Hypochondriaque, ça veut dire qu'il a peur de la maladie. Il avait un petit rhume, il se dit, c'est la Covid qui est là. Il a un petit bouton, il se dit, c'est un mélanome. Vous voyez, il y a quelques personnes en France. Je ne sais pas si au Maroc, il y a ça. En France, les hypochondriaques, nous sommes nombreux, car moi-même, je suis un peu hypochondriaque. Alors, comme il a beaucoup d'argent, tous les 6 mois, il se fait faire un bilan complet, avec des IRM de tout l'ensemble du corps et tout. Il fait ça pendant des années. Et puis un jour, le bilan montre une toute petite, mais alors une micro-lésion de la tête et du pancréas. Le pancréas, c'est un petit organe qu'on a de l'autre côté du foie. Et le médecin oncologue lui dit, il faut que tu aies une chance formidable, c'est un petit cancer qui est facile à extraire, il n'y a aucune métastase et c'est la guérison assurée. Il écoute l'oncologue, il se prépare à faire ça. Mais un autre médecin, ami de lui, lui dit, l'oncologue, il dit des bêtises. Quand c'est un tout petit truc comme ça, tu sais que tu pratiques la méditation, tu pratiques du Qigong, tu vas faire de la phytothérapie, tu vas faire 2 ou 3 petites médecines parallèles comme cela, et tu vas voir qu'en 6 mois, ça va disparaître. Et il fait cela, il prend cette voie-là. Et 6 mois après, quand il fait son bilan, le cancer a envahi tout l'abdomen et il y a des métastases un peu partout. C'est trop tard, il meurt 1 an après. Et ce monsieur, ce n'était pas n'importe qui. C'était pas une personne sans intelligence. Je vous parle à partir d'un ordinateur qui est un ordinateur Mac, c'est-à-dire Apple. Je vous parle tout simplement de Steve Jobs, le créateur de la marque Apple. Un des hommes les plus intelligents au monde, il s'est fait avoir par ce mauvais discours. Il aurait dû suivre ce que lui a dit l'oncologue. Moi, je fais confiance à l'oncologue. Et si l'oncologue me dit ce traitement, il est discutable, parce que dans certains cas, c'est équivalent à un non-traitement, alors là, à ce moment-là, je suis l'oncologue et je peux décider avec lui, avec l'oncologue, de ne pas suivre ce traitement. Voilà ma réponse pour compléter un petit peu. Je crois que nous sommes dans une situation maintenant où il y a cette convergence et cette complémentarité entre un aspect de connaissance, de science, et un aspect d'une approche, je peux dire, d'humanisme spirituel, d'une façon un petit peu métaphorique, mais que les deux peuvent se conjuguer sans que l'une vienne se substituer à l'autre. Et je crois que jusqu'à présent, on a considéré ces deux approches comme concurrentielles, voire exclusives. Hein? Ou bien on va voir les gens qui vont dire il faut faire des régimes, il faut faire du yoga, ou bien prier et que ça sera largement suffisant. Et c'est pour ça que je reviens à cette petite phrase aussi simple, après là, what's up, quel. Fais ce que tu as à faire et puis ensuite compte sur Dieu en faisant des pratiques, en ayant un mode de vie évidemment favorable. Et c'est aussi la conjonction, et chaque période de l'histoire, on a pu le faire à cette période plutôt de sagesse, c'est la conjonction entre la raison et la foi.
n'est-ce pas? Il ne faut pas que ce soit des choses exclusives, mais l'une doit nourrir l'autre. Une dimension doit être au service de l'autre. Tout à fait. Je me rappelle d'un cours que je donnais à Casablanca dans la merveilleuse association créée par le docteur Myriam Thierry. Et on se posait cette question. Une patiente refusait des soins pour un cancer du sein, des soins qui auraient pu la sauver. Et disons, certaines personnes de son entourage lui avaient dit peut-être que la prière peut te sauver. Alors j'avais demandé à des médecins qui étaient là, des médecins marocains. Il y avait un professeur très religieux dans votre superbe religion qui m'a dit, mais tu sais, il y a une sourate, alors je ne sais pas si c'est vrai, tu vas me le dire, Fauzi ou vous aussi, Nawal, qui dit que ce n'est pas Dieu qui a créé le cancer, qui a créé la maladie. Dieu, il a créé les médicaments pour soulager les personnes. Et il m'avait donné cette sourate que j'ai perdu parce que j'ai beaucoup de gens du Maghreb dans ma clientèle et j'aimerais la retrouver. Et si vraiment elle existe, et je pense qu'elle existe parce qu'il me l'avait montré, ça c'est un cadeau superbe à faire aux patients. Leur montrer que Dieu n'est pas responsable du mal, Dieu est responsable du confort, c'est-à-dire des médicaments. En disant médicaments, bien sûr, on dit tous les autres soins. Hein. Pour moi, c'était un moment vraiment d'ouverture que m'avait apporté ce professeur marocain. C'est Ambroise Paré que tu cites souvent, Ambroise Paré qui dit « moi je dispose et Dieu guérit ». Enfin, exactement. Mais l'homme doit absolument jouer son rôle parce que c'est précisément, ça fait partie de la sagesse de la création divine. Et ce sont effectivement ce type de confusions qui peuvent être extrêmement dommageables et c'est pour ça que c'est très intéressant de faire la part des choses. Tout à fait. Et la spiritualité? Alors, Dieu apporte le médicament et la spiritualité, ça on le sait. Alors ça, Nawal, il y a des études qui montrent que les personnes qui, en plus des médicaments, utilisent le ressort énorme de la spiritualité, ils ont des meilleurs résultats. Ils ont une vie plus confortable, ils ont une vie peut-être plus longue aussi, ça a été estimé, pas simplement dans le cancer, dans les maladies par exemple cardiovasculaires, ça c'est vraiment il y a eu beaucoup d'études. Donc oui, la spiritualité, c'est un superbe médicament. On le voit dans tous les cas dans notre pratique, les personnes qu'on arrive à soulager avec autre chose que des médicaments, supportent mieux les traitements et on voit qu'ils vont mieux et qu'ils vivent plus longtemps. Ça, on le voit tous les jours. Quand ils ont une force qui est en eux qui les aide. Alors, il y a beaucoup de questions qui arrivent, oui. Donc je viens d'y répondre. Alors, en pratique, la prise en charge du cancer est multidisciplinaire. Comment avoir le même abord et le même langage? Donc ça, j'imagine que c'est une question pour moi. En fait, et pour toi aussi, Jean, oui, quand on a un patient qui diagnostique un cancer, on va utiliser, on va dire, des codes, on statifie la maladie grâce à un bilan d'extension qu'on va faire, et en fonction de son stade, mais aussi de comment est le patient, on passe le dossier en RCP et on voit dans quelle, j'aime pas dire ça, mais dans quelle case il va rentrer. Est-ce que c'est un stade 1, 2, 3, 4 de tel type de cancer? Et on va proposer un traitement, mais en accord avec tout le staff. Et dans ce staff, il n'y a pas que des cancérologues, il y a aussi des anapathes, des radiologues, des chirurgiens, parfois aussi le psychologue qui va nous aider à prendre la décision thérapeutique. Est-ce que la personne est capable de recevoir ce traitement ou ça va la casser et donc on n'aura pas du tout gagné en qualité de vie et en survie? Est-ce que tu veux ajouter quelque chose, Jean, à propos? C'est parfait, vraiment. Et quand je t'écoutais, Nawal, je te tutoie en tant que collègue, puisqu'on se tutoie les collègues, mais si je te découvre depuis quelques jours, quand je t'écoutais, tu vois, j'imaginais dans ces réunions de radiologues, hématologues, cancérologues, biologistes, pourquoi pas la présence d'une personne comme Fauzi qui apporte de la réflexion spirituelle, de la réflexion philosophique. Parce que, bien sûr, il ne connaît rien à la médecine, je le sais, je l'ai eu comme stagiaire, non, je blague. Mais il nous apporte tellement par leur présence, ces gens-là, que ça éveille notre spiritualité à nous, de praticiens, de cliniciens. Et je trouve que ça ferait un très joli colloque.
d'avoir ça. Il faudra peut-être y penser à ça. Oui. C'est quelque chose qui est en gestation, effectivement. Mais tout à fait. Hein, je sais que tu as été contacté pour ça et c'est important. Hein. Alors, question à Monsieur Srelli. Vous avez parlé. Alors, ça remonte à chaque fois. Hop, hop, hop. Vous avez parlé de coaching spirituel. Comment pourrait-on y accéder? Ou bien, comment pourraient y accéder les patients et comment ils pourraient les aider? C'est ça. Le coaching. Bah, c'est exactement ce que disait à l'instant Jean, à très juste titre. C'est quelque chose qui est. On sent que c'est une espèce de mouvement qui est en gestation, qui a besoin de se préciser, qui a besoin de prendre des formes de plus en plus concrètes également, mais c'est exactement ce que Jean fait depuis des années en travaillant sur la conscience et sur le rôle de la conscience dans tout le processus de guérison. On l'a vu par tout ce qu'il a résumé vers la fin, c'est exactement la métanoïa ou la maïeutique de Socrate, c'est-à-dire toujours être au service et à l'écoute de l'autre dans un accompagnement. Des choses simples qu'on a oubliées, n'est-ce pas, mais dont on paye parfois le prix, parce qu'effectivement, si on perd cette dimension spirituelle, qui était parfois tout à fait naturelle dans la culture, dans la vocation médicale, dans la sagesse aussi de l'expérience humaine qui était souvent liée aux médecins, eh bien, parfois, le prix peut être considérable. Alors, moi, j'ai essayé ici de donner quelques petites pistes, mais ce sont des sujets sur lesquels on travaille beaucoup avec Jean depuis que j'ai eu la chance de participer avec lui à un certain nombre de rencontres qu'il organise en France, mais aussi avec d'autres amis ici au Maroc, à Fès, avec le docteur Cohen, avec le docteur Mellas, avec des amis qui sont tout à fait dans cette réflexion, et je crois que mettre en œuvre notre intelligence collective pour mieux fixer les choses me paraît extrêmement intéressant. Et là, en l'occurrence, je crois qu'on puise finalement dans le patrimoine de la sagesse universelle. Vous savez, c'est toujours les mêmes principes. Lorsque j'essaie de mettre en parallèle le attache ta chamelle et compte sur Dieu, ou bien dans la Bhagavad Gita, le fait qu'il faut toujours agir et se détacher du fruit de l'action. Ça, c'est une des sagesses dans l'hindouisme qui a des millénaires. Et puis, ou alors chez les stoïciens, le fait de savoir faire la part de ce qui nous incombe et la part de ce à quoi nous devons tout simplement nous remettre, hein, puisque ce n'est plus de notre ressort. Tous ces éléments-là sont des éléments extrêmement concrets aussi dans la vie de tous les jours. Hein. Ce sont des sagesses qui peuvent nous accompagner dans notre voyage, mais il y a aussi, et c'est ça qui est intéressant, je crois, à voir, toutes ces études qui se font sur les effets de la méditation, les effets du dhikra, hein, sur le processus du cerveau. Et vous savez que avec l'imagerie neuronale, la neuroimagerie, n'est-ce pas, avec la résonance magnétique et nucléaire et tout cela, eh bien, on arrive à se rendre compte des effets de la méditation sur la capacité de produire, par exemple, de la sérotonine ou bien des choses qui équilibrent la humeur, ou bien d'arriver à limiter les excès de l'émotionnel négatif, n'est-ce pas, de l'anxiété qui devient incontrôlable. Tout ça, on peut presque le voir physiquement. Et j'en travaille beaucoup avec les œuvres de Anne sur la question du cerveau, je crois. C'est un des éléments extrêmement importants. Et c'est cette conjonction aujourd'hui entre la conscience et le cerveau et la spiritualité, et comment accompagner tout cela culturellement, c'est pas, avec d'une façon très pratique, à la fois dans les principes, il y en a d'autres, mais on ne va pas tous les énumérer ici, qui se recoupent beaucoup, mais à la fois aussi dans une pratique de la prise de conscience de soi. C'est pas, parce que finalement, l'activation de la conscience ou la pleine conscience, c'est exactement cela. C'est-à-dire cette capacité à pouvoir développer cette façon de se regarder, d'être à la fois l'observateur et l'observé. Voilà.
Et c'est ce qu'on n'a pas l'habitude de faire de façon habituelle. Et puis, quand on arrive à faire ça et à avoir cette distanciation, eh bien, je crois qu'on peut, par là même, il me semble, non seulement contribuer au processus de guérison, parce que ça, c'est fondamental, parce que ça va permettre tout ce métabolisme dont on parlait tout à l'heure, mais aussi, et ça, je crois que ça a été beaucoup souligné par tous les praticiens que j'ai pu rencontrer lorsqu'on était ensemble, part sur un certain contrôle sur la douleur. Et je crois que ça, c'est un des éléments extrêmement importants. Quand on dit contrôle, c'est pas vraiment un contrôle. C'est une façon de laisser la douleur sans s'y identifier. Hein? De laisser la douleur se déployer. Il s'agit pas de ne pas le reconnaître ou de se croire plus fort. Ce n'est pas du tout ça. Mais c'est simplement être dans la conscience sans pour autant s'identifier pleinement à la douleur en tant que telle. Et donc, c'est des pistes extrêmement intéressantes. Tout à fait. Alors, question à Dr Jean Becchio. Est-ce qu'on peut considérer que des séances d'hypnose ou de méditation constituent une sorte de spiritualité? C'est une excellente question, comme toutes les questions qu'on entend ce soir. Fauzi a presque répondu à cette question. Il a évoqué justement les neurosciences, et c'est vrai que les neurosciences nous montrent des choses. Il a évoqué mon ami Stanislas Dehaene, qui dirige le plus grand centre mondial d'études du cerveau, une neurospin à Saclay, dans la banlieue sud de Paris. Et quand je t'écoutais, Fauzi, je voyais ces images que je vois dans les IRM de ce cerveau. On a cherché dans le cerveau la zone de Dieu, la zone de la spiritualité. On n'a pas trouvé jusqu'à présent. Je ne sais pas si on la trouvera un jour. Elle est partout. Je savais que tu ferais cette réponse. Et en fait, ça m'a évoqué une phrase j'aime la culture marocaine et j'aime la culture russe aussi, d'un romancier russe qui dit que dans le cœur de l'homme, toute petite lumière. Qui est la lumière de la spiritualité. Lui-même s'était intéressé à ça 150 ans avant qu'on s'y intéresse nous-mêmes. Et il dit que lorsque on fait remarquer à la personne que cette toute petite lumière, elle est hyper importante pour moi qui la vois, moi médecin qui la vois, et pour l'humanité qui ne la voit pas, c'est le début du développement de cette lumière. Donc à nous soignants finalement, de faire remarquer au patient que malgré sa douleur, sa souffrance, son inquiétude, son désaveu de Dieu, je ne veux plus croire en Dieu parce qu'il a tué ou il a donné la maladie à mon enfant, c'est le plus terrible des cas. Eh bien, on montre que dans son cœur, il y a, dans ce cri qu'elle lance, cette personne, il y a cette petite lumière. Et on va travailler sur cette petite lumière. On va travailler comme un coach travaille sur les muscles de l'athlète pour les développer. On va travailler sur cette petite lumière pour la développer doucement, tranquillement. Et là, on va réussir à réinstaller cet élément de spiritualité qui est nécessaire pour continuer à agir, puisque tu as dit que c'est l'action qui est importante. Hein. Voilà. C'est très, très vrai. Très juste. Myriam, est-ce que tu peux remettre les questions d'hier que tu avais reçues? Oui, tout à fait. Alors, je pense qu'on a aussi une question que je vois par chat d'une oncologue. Comment peut-on traiter un patient qui est en déni total ou un patient très croyant, fataliste et spirituel et qui refuse de suivre les traitements? Des pistes à proposer. C'est le docteur Hujami qui pose la question. Un croyant fataliste, pas spirituel. Hein. Disons, voilà. Je lis la question. Je pense. Je peux répondre à la partie le patient qui refuse les soins. Le déni. Oui, Je vois ça en oncologie, je vois ça aussi dans ma deuxième casquette, la psychiatrie. Donc, ces patients qui refusent les soins, en fait, ils sont en souffrance. Et il ne faut pas s'occuper du refus, il faut s'occuper de leur souffrance. Quand vous me dites que vous refusez le soin, que ressentez-vous? Ça, c'est une question importante. Et les renvoyer vers leur corps qui refuse. Leur corps qui refuse et leur esprit qui dit « je refuse ». Et ce travail, qui n'est pas un travail d'opposition,
C'est un travail de discussion. On ne va pas le culpabiliser, lui dire, lui faire peur, lui dire si vous refusez, vous allez mourir dans 3 mois, ou des choses comme ça. C'est vraiment un travail de discussion entre deux humains. Et un humain qui a la chance d'être en bonne santé, au moins temporairement, c'est le soignant, et l'autre qui souffre, qui est en mauvaise santé, et cette souffrance perturbe le raisonnement et perturbe la prise de décision. Et donc, il faut qu'on parle de cette prise de décision, de cet inconfort qu'il ressent. Et j'accepte ce que vous dites de ne pas avoir les soins. Je vois quand même que quand vous dites ça, vous êtes inconfortable. Acceptez-vous que je vous aide pour être à peine un peu plus confortable dans cette prise de décision. Et en faisant cela, on arrive de temps en temps, je dirais même assez souvent en psychiatrie, à réanimer. J'ai parlé tout à l'heure de la flamme de la spiritualité, j'emploierai la même métaphore, la flamme de la raison qui a disparu totalement à cause de la peur de la mort, car tout ça, c'est la peur de la mort qui est derrière, hein, souvent. Tout à fait vrai. Et je pense que Jean a répondu aux deux parties en réalité, mais c'est très important parce que ce que tu disais tout à l'heure, Jean, c'est cette lumière, cette espèce de grain de lumière, le grain de sénévé d'ailleurs qu'on va trouver dans les évangiles, ce grain de lumière qui peut être presque imperceptible, mais que le médecin va faire en sorte de pouvoir attraper, n'est-ce pas, comme le bout d'un écheveau, n'est-ce pas, qui va se défiler ensuite. Et qui est au fait, qu'est-ce que c'est? C'est ce grain, c'est le oui fondamental à la vie. Exactement. C'est à l'intérieur de soi, c'est le oui de l'âme, n'est-ce pas? Mais qui est étouffé, qui est voilé, qui est écarté par la conscience critique malade, torturée, n'est-ce pas? Qui ne veut pas reconnaître cet état de fait. Donc, effectivement, là, on est en plein. Justement dans l'approche de la sagesse et inspirée par la sagesse, c'est-à-dire qu'on ne vient jamais d'une façon frontale en train d'essayer de convaincre quelqu'un, argument contre argument, parce que ça, c'est la pire des choses. On ne répond pas à l'obscurité par l'obscurité, mais on répond à l'obscurité en allumant une petite lumière. C'est ça qu'il faut chercher à trouver et donc à déceler dans le rapport et le dialogue qui se fait entre les deux. Superbe métaphore. Alors, je vais vous donc dire les questions qui nous sont arrivées, quelques questions par WhatsApp et qui rejoignent les thématiques que vous avez abordées. Le sort s'acharne sur moi, je finis par me sentir coupable, la notion de culpabilité que vous avez largement abordée, Monsieur Strelli, comme si Dieu me punit de je ne sais pas quoi. Alors, comment la spiritualité peut-elle encore avoir une place pour m'aider? Je continue par un peu ce type de question. Le cancer peut-il remettre en question nos croyants? Avec cette nouvelle épreuve qu'est le cancer, après un divorce et des difficultés financières importantes, j'ai l'impression que Dieu m'a abandonnée. Ma foi est ébranlée et c'est très difficile à vivre. Je me sens coupable. Que dois-je faire? Alors, c'était un peu ce que j'avais essayé de esquissé tout à l'heure, et donc on va en reparler un petit peu de façon très en se volant, mais simplement dire que je crois que c'est très important d'installer la relation religieuse dans une finalité spirituelle. Je crois que une des choses qui pose problème, c'est d'avoir une relation religieuse qui s'installe simplement dans quelque chose qui est de l'ordre de la punition et de la récompense, comme si cela se suffisait à lui-même. Et si on ne voit que ça, et on ne voit pas que tout ça s'installe et s'inscrit dans un cheminement, dans une relation de cheminement. Et d'ailleurs, tout à l'heure, j'ai insisté sur le fait que les gens qui étaient connus de la façon la plus grande pour leur sagesse, pour leur spiritualité, ont aussi été atteints par les épreuves les plus extraordinaires, et parfois même ils n'ont plus eu d'épreuves particulièrement considérables, comme je parlais du prophète Job, qu'on retrouve dans nos textes scripturaires, mais aussi des grands sages, le grand Maharishi, un grand sage de l'Inde, qui était considéré comme
une des personnalités spirituelles les plus grandes de son époque, est mort d'un cancer et il a tout à fait vécu en tant que tel. Donc, il ne faut pas se considérer que c'est parce que nous ne sommes pas méritants, parce que on n'est peut-être pas, on a, comme le disait Jean tout à l'heure, on n'a peut-être pas mené la vie comme il fallait la mener. Tout ça est souvent sans rapport. D'ailleurs, c'est très spécifié, très clair dans l'histoire de Job, puisque Job n'a rien à voir dans cette histoire. Il n'a rien à se reprocher. Il s'accroche d'ailleurs là-dessus, malgré tout, les plaidoyers de ceux qui sont autour, pour lui dire, mais en fait, tu as bien fait un petit quelque chose, là, Job, c'est pas possible. Hein, tu dois bien être coupable quelque part. N'est-ce pas? Il a bien fallu que tu y mettes un peu du tien. Et non, il dit non. J'accepte. C'est une épreuve que Dieu m'envoie, mais moi, je n'ai rien à me reprocher. Et donc, il faut vraiment resituer ça dans cette perspective. Et à partir de ce moment-là, eh bien, ça devient quelque chose qui a un intérêt, comme toute chose dans cette vie, lorsque ça prend du sens. Parce que la plus grande des souffrances, c'est la souffrance du non-sens, de l'absurde. Mmh. C'est que lorsqu'on n'arrive pas à comprendre vers quoi on va se diriger, comment on va faire les prochaines étapes, comment on va travailler sur soi, comment on va utiliser ce qui nous arrive. Parce que tout peut arriver, mais la différence, c'est qu'est-ce qu'on fait de ce qui nous arrive. Et de toute manière, personne n'est à l'abri, et de toute manière, globalement, absolument personne, puisque nous allons tous finir par quitter cette vie d'une façon ou d'une autre. Marc Aurèle, le stoïcien, disait « personne ne meurt trop tôt ». Finalement, on finit tous par passer par ce rendez-vous indispensable et inévitable. Donc, moi, je pense qu'il faut sortir de cette relation un petit peu, peut-être un peu trop instrumentalisée, trop restrictive de la spiritualité, et réinstaller cela dans l'idée que tout ce qui peut nous arriver peut nous être utile dans notre travail spirituel, et que notre vie, finalement, c'est de nous améliorer humainement. Mais qu'en faisant cela, et c'est ça qui est intéressant, et c'est ça où il y a toutes ces nouvelles recherches qui s'ouvrent et qui deviennent extrêmement intéressantes, en faisant cela, non seulement il y a un gain considérable, et c'est peut-être l'essentiel sur le plan spirituel, mais il y a aussi un processus de guérison qui peut véritablement s'amorcer par cette approche particulière. Alors, ton discours, bien sûr, est superbe et digne d'éloge, et ça pose une question. Ça pose une question de ce que j'appellerais la direction de conscience. Il y a quelques siècles, les personnes malades, cancéreuses, ils étaient accompagnés par les prêtres chez nous, par les religieux, plus que par les médecins. Et il y avait des bons prêtres et d'autres prêtres qui n'étaient pas aussi bons, disons. Il y avait des directeurs de conscience fabuleux, Bossuet, Fénelon, ont laissé leurs traces et leurs discours pour consoler, accompagner et consoler. Et ça pose la question de la formation spirituelle des soignants et des accompagnants. Et là, on n'a aucune formation dans ce domaine-là. Tu as parlé de coaching, c'est Nawal qui a posé la question, je crois, de coaching spirituel. Le coaching spirituel, il passe justement par la façon dont le soignant va coacher sur le plan spirituel. Et chez nous, en France, aucune formation dans ce domaine. Et ça aussi, c'est un chantier auquel il faut s'attaquer peut-être, pour qu'on ait à nouveau des directeurs de conscience, c'est-à-dire qui montrent la direction vers cette lumière que tu as merveilleusement métaphorisée. Absolument. Parce que la pire des choses, et c'est là où il y a des écueils sur lesquels il faut être extrêmement vigilant, c'est la moralisation. Exactement. C'est le discours de morale. Et culpabilisation. C'est l'effondrement le plus total, et c'est pour ça que quand on pense quelqu'un dit « mais pour prendre courage, mais tu vas y arriver, tout ça est facile, et ainsi de suite », c'est la pire des choses, parce qu'en réalité, on parle pour soi, on n'est pas du tout à l'écoute de la réalité, de l'état émotionnel, de l'état mental, de l'état psychologique dans lequel se trouve la personne en face. Et donc, il y a une formation véritablement à avoir de ce point de vue-là. Et c'est pour cela que, alors là, du coup, la première moitié de la question de tout à l'heure, c'est-à-dire qu'au nom de la religion, on peut emprunter une voie qui peut être véritablement problématique et nocive. Tout à fait. Est nocive parce que au nom de la religion, on peut finalement, au lieu de continuer à agir, de faire ce qu'on a à faire,
de considérer qu'on s'en remet à Dieu alors que c'est une passivité extérieure. S'en remettre à Dieu, c'est se remettre intérieurement, pas extérieurement. Tout à fait. Intérieurement, il faut agir et l'action est fondamentale. Et donc là, il y a encore une confusion de plan, n'est-ce pas? Et donc finalement, on habille notre résignation et notre démission par un discours religieux. Donc il faut être très attentif à cela. Très bien. Alors, on a d'autres questions. Alors, bonsoir, je vous remercie pour le choix du sujet. Peut-on développer la pleine conscience chez un patient en soins palliatifs? Est-ce que sa pratique a des limites? C'est une question posée par Dr Rouchani. La pleine conscience, c'est un ensemble de techniques. Hein. Il y a plusieurs techniques, disons. On connaît bien sûr le mindfulness, qui utilise pour activer cette pleine conscience, souvent des principes de méditation bouddhiste ou autre. Moi, je dirais, c'est mon expérience de soins palliatifs, que la plupart des personnes qui sont soins palliatifs, qui prennent conscience de ce qu'ils sont en train de vivre, qui ont été informés à leur niveau de compréhension et de désir d'être informés sur ce qui les attend dans les jours, dans les semaines ou dans les jours ou dans les heures qui viennent, ils sont dans un état d'activation de conscience pour la plupart. Il y a une ouverture. On voit même des conversions. On voit beaucoup des patients qui ne sont pas allés à l'église ou à la mosquée ou à la synagogue depuis des années et qui demandent à voir l'imam, le prêtre ou le rabbin à ce moment-là par cette auto-activation. Il y en a d'autres qui sont dans la sidération. Ils sont tellement sidérés que alors là, ils ne sont pas dans l'expansion de conscience. Ce sont ceux-là qui nous intéressent, nous soignants, car ceux-là, ils sont en grande souffrance. Ceux qui appellent l'imam ou le prêtre, ils arrivent à gérer finalement leur souffrance, et cette autorité religieuse va les aider. Et nous, soignants, on passe au deuxième plan à ce moment-là. Mais ceux qui n'ont pas cela, qui sont dans la contrainte de la conscience, là, on a des moyens. Alors, il y a des moyens médicamenteux, je ne les prône pas particulièrement, moi, c'est plutôt des moyens d'utilisation de la parole. C'est-à-dire créer la confiance, et on rejoint ce qu'on a dit tout à l'heure, réanimer cette petite flamme. Et là, il y a des techniques. Bon, moi, je prône bien sûr les techniques qu'on appelle d'activation de conscience qui vont au-delà de la simple méditation ou du mindfulness, parce qu'elles sont basées, vraiment, ces techniques modernes, sur l'utilisation des dernières données dans la connaissance du fonctionnement de l'attention et de la conscience. Et surtout, ces dernières données nous ont enlevé des vieux dogmes qui ont accompagné ma génération pendant, je dirais, presque toute ma vie de soignant, des vieux dogmes sur le fonctionnement du cerveau, de la conscience, qui ont été maintenant mis de côté. Des dogmes qui étaient très prééminents au XXe siècle, et maintenant, XXIe siècle, on travaille sur une autre vision du fonctionnement du cerveau, du fonctionnement de l'esprit, du fonctionnement du corps, tout simplement. On se rend compte, par exemple, que des petites bactéries qu'on a dans le ventre sont encore plus importantes pour le fonctionnement, pour nos prises de décision qu'un raisonnement très élaboré au niveau du cerveau, surtout à cette heure-ci ou 21h41 à Paris, où les gens qui n'ont pas mangé commencent à avoir faim. Là, les bactéries commencent à se manifester et les bactéries peuvent modifier notre décision et dire « Ouh là là, on est en train de garder des personnes devant l'écran, là, elles ont faim, elles feraient mieux d'aller manger. » Voilà où on en est maintenant, disons, hein, de ces deux types de personnes. Les personnes qui s'épanouissent spontanément, on les laisse faire. Celles qui sont dans l'inconfort et la souffrance, là, on s'en occupe avec des techniques comme la méditation, les techniques d'activation de conscience ou autres. Voilà, parce que, au fait, les techniques, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'il y a une certaine neutralité aussi des techniques, parce que c'est assez simple. Il ne s'agit pas d'un discours théologique, il ne s'agit pas de vouloir, si je peux dire, sermonner quelqu'un ou bien de lui servir un discours. Au fait, de quoi il s'agit? Il s'agit, c'est un peu, tout ça converge un petit peu quand on essaie de comprendre ces choses-là. Certes, il y a des fois où on en a fait peut-être des formes d'instrumentalisation plus ou moins sérieuses, mais
quand on voit sur le fond de quoi il s'agit, toujours de quelque chose qui est propre à toutes les spiritualités du monde et qui consiste simplement à essayer d'être comme dans la sophrologie, mais la sophrologie vient elle-même de la sophrosinée, qui est une voie de sagesse qui est de l'Antiquité grecque, n'est-ce pas? Et tout cela, en réalité, c'est toujours cette capacité, donc des techniques assez simples, en réalité, à mettre en place pour ne pas s'identifier, pour que la conscience ne s'identifie pas simplement au corps. Voilà. Que la conscience puisse observer, n'est-ce pas, en toute liberté, par avoir conscience de la place. Et ça, c'est une force extraordinaire, parce qu'en réalité, nous passons notre temps à nous identifier. D'ailleurs, parfois, on s'identifie à un aspect. Par exemple, une maladie devient l'être tout entier, alors qu'elle n'est qu'une toute petite partie corporelle et physiologique. Et en faisant cela, eh bien, on se rend compte qu'on est certes ce corps, mais qu'on est aussi bien plus que cela. On est une conscience que rien ne peut atteindre. Tout à fait. Et c'est ça, là où se trouve cette lumière, et là se trouve cette dignité fondamentale. Tout à fait. Tout à fait. Et ça, c'est extraordinaire, parce que tout le reste n'est que dépouille, de toute façon, qu'on va laisser derrière soi. Et donc, si tout ce processus nous amène à prendre conscience de cette dignité fondamentale, de cette conscience qui est l'âme, qu'on a appelée l'âme par d'autres expressions, mais qui est simplement cette conscience de soi. Et alors, évidemment, il faut amener tout cela par des petits exercices, n'est-ce pas, des accompagnements, des exercices qui peuvent prendre quelques minutes par jour, qui est une façon de complètement se laisser en quelque sorte dans une sorte de lâcher prise et de simplement être comme un miroir qui ne juge pas, qui ne prend pas de décision, qui ne fait que refléter ce qui est. C'est la conscience du présent, la conscience de l'instant. Tout à fait. Évidemment, un miroir ne s'identifie pas à ce qui se passe en lui. Autrement, c'est fini. Dès qu'il s'identifie, il n'a plus du tout ce rôle de miroir. Or, la conscience, c'est notre psyché, justement. D'ailleurs, étymologiquement, la psyché, c'est miroir en grec. Tout à fait. Et donc, c'est cela dont il faut faire prendre conscience, mais par des techniques simples. Et je pense que la situation dans laquelle on peut être lorsqu'on est dans ce type d'épreuve va accélérer l'importance et l'intérêt qu'on peut donner à de telles pratiques. Tout à fait. Et là, tu as fort bien expliqué ça. Et je peux ajouter juste en le résumant qu'un patient qui a un cancer, il n'est jamais dans la réalité, il est dans l'irréalité. Il est dans « je regrette » d'avoir fait ça dans le passé, la culpabilité, ou je crains de mourir, je crains de souffrir. Et il n'est pas dans le présent, il est dans le passé ou dans un futur qui n'est pas là. Le passé est passé, le futur n'est pas là, il faut qu'on le recentre dans le présent. Et lui montrer que dans le présent, il a une famille, il a des médicaments, il a des médecins, il a des conseillers spirituels, il a des livres à sa disposition, il a le Coran, il a la Bible, il a tous ces éléments, mais il ne les voit pas. Parce qu'il n'est pas ici, il est le passé, il vit. Voilà, c'est tout. Et c'est simple comme recette, finalement. Alors, ça a répondu à la question de quelqu'un qui disait que justement, comment faire pour ne pas avoir peur de la rechute. Donc là, vous avez vraiment bien, voilà, comment soulager la peur de rechuter et revivre le cauchemar du cancer. Donc là, je pense que vous avez bien répondu à la question. Au jour le jour. Il y a une très belle question qui m'a beaucoup interpellée. Le discours religieux de certains médecins lors de l'annonce d'un cancer, comme la récitation de versets du Coran, les expressions comme « Dieu est grand, Inch'Allah, vous allez vous en sortir, Mekounril Khir », peut faire croire au médecin qui rassure son patient alors que celui-ci attend d'être rassuré par une approche médicale rigoureuse. Est-ce que la spiritualité a une place dans l'annonce d'un cancer? Et ça, c'était la question de Rachid. Alors, j'ai trouvé cette question vraiment intéressante parce que c'est vrai que des fois, on se trompe. Je pense que tout va dépendre du patient qui est en face de nous. Pour inviter Dieu dans la relation qu'on a avec un patient, Dieu ou une autre force, hein, l'être suprême, il faut que l'autre soit d'accord.
On ne peut pas imposer, je pense, la spiritualité à tout le monde. Il faut d'abord connaître le patient, apprendre à le connaître, il faut apprendre à l'entendre, à le voir, et à ce moment-là, à sa demande, ou à la demande conjointe entre lui et moi, on va inviter le spirituel, mais je ne pense pas que ce soit faisable d'emblée. En plus de ça, quand un patient vient chez un médecin, c'est d'abord pour un mal qui est physique, hein, le cancer étant une vraie maladie physique, et il a besoin d'être rassuré par des notions scientifiques. Voilà ce que vous avez, voilà ce que vous risquez d'avoir, voici les thérapeutiques que je vous propose. Et une fois que le discours scientifique a été fait, à ce moment-là, je pense, si on a la permission du patient, hein, on arrive à le voir des fois avec les yeux, mais des fois avec les autres yeux, hein, l'œil du cœur, on peut à ce moment-là inviter la spiritualité à la table. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais… Tout ce que vous dites est vraiment sort d'une bouche d'or, comme dirait Saint Jean Chrysostome, et je suis tout à fait d'accord avec vous. Et en plus, nous sommes médecins, et nous pouvons être médecins et croyants, hein, et beaucoup de médecins sont croyants, grâce à Dieu, je dirais. Hein. Et auprès du patient, nous devons privilégier notre rôle de médecin qui parle de soins, de soigner, pour aller peut-être vers une guérison. J'aime pas tellement ce terme de guérison. Moi, je parle de soulager et remettre en action, comme le dit Fauzi. Parce que si nous introduisons trop Dieu, et en disant « mais Dieu va vous aider », et voilà, etc. Lorsque ça évolue mal, qu'est-ce qui nous reste ? Culpabiliser Dieu ? C'est pas de ma faute, c'est Dieu. Ça me rappelle une histoire. J'étais externe. Vraiment, Nawal, vous me transportez dans mon enfance, dans ma jeunesse médicale. Je suis externe, un monsieur est en train de mourir dans un service de médecine générale, mourir peut-être un peu, pas tellement vieux, il me paraissait vieux à l'époque parce qu'il avait 60 ans, maintenant il me paraît un gamin, et il allait très mal, et sa femme était triste parce qu'il allait très mal. Et le médecin prescrit une injection de corticoïdes, tout le monde a entendu parler de la cortisone, à très forte dose. Le lendemain, on revient, ce monsieur, épanoui, comme une fleur qu'on n'aurait pas arrosée, on avait arrosé avec la cortisone, il était heureux dans son lit, etc. Et après, sa femme vient, heureuse comme tout, elle sort de l'hôpital, elle va à la confiserie la plus proche, et elle nous achète un paquet de gâteaux ou de bonbons. Et voilà. Le lendemain, on revient, et alors la dame dit, vraiment, je vous remercie, grâce à Dieu, mon mari va mieux. Et l'interne dit, comment ça, grâce à Dieu ? C'est grâce à moi. Je lui ai donné le médicament qui l'a sauvé. Le lendemain, ça n'a pas raté. Quand la dame revient, son mari est mort pendant la nuit. Alors elle dit, mais comment ça se fait ? C'est à cause du médicament que vous avez donné ? Pas du tout, dit le c'est pas à cause de moi, dit l'interne, il dit vous savez ça c'est le hasard de la vie, hein. Et alors c'est pour ça que je dis que nous médecins ne nous mêlons pas de Dieu. On peut dire au patient je suis croyant et je suis sur le même chemin que vous, sur le même chemin, et je vous accompagne sur ce chemin de l'amélioration, du confort et aussi de la spiritualité. Mais vous savez, pour la spiritualité, dans mon hôpital, il y a quelqu'un qui est mieux que moi, c'est l'imam, qui passe tous les vendredis avant la prière et qui pourra vous aider. Voilà le complément que je donne à votre joli discours. Mais c'est, en réalité, la spiritualité, c'est pas des mots, n'est-ce pas ? C'est pas un discours, c'est une façon d'être. C'est une écoute, quelqu'un qui est à l'écoute, quelqu'un qui a une attitude humble en face de celui qui est avec lui, quelqu'un qui essaie de cultiver une certaine authenticité, n'est-ce pas, cette congruence dont on parlait tout à l'heure. C'est ça la spiritualité, ce n'est pas des discours. Et les discours sont plutôt inquiétants hein, quand on en sert un peu trop, alors que la spiritualité, c'est… Mais ça aussi, alors là, du coup, c'est ce que… Tous, je crois, ici, ils ont évoqué tout à l'heure. C'est-à-dire que c'est vrai que les médecins ne sont pas forcément préparés à cela et qu'il y a un travail à faire. Tout à fait. Alors, on peut se faire comme ça spontanément. Hein? Tout à fait. Tu reprends ce que notre docteur Nawal Bouy a dit dans son exposé que tu n'as pas écouté. Voilà.
Elle a dit qu'il fallait écouter pour entendre, qu'il fallait regarder pour voir. Et elle l'a dit d'une merveilleuse façon, beaucoup mieux que ce que tu dis. Je blague bien sûr. Alors, je pense qu'on a pris beaucoup de temps et qu'en effet, pour certains, et pour vous en particulier, eh bien, parce que sinon, ça ne s'arrêtera jamais, ce webinaire. Il est peut-être temps de clôturer ce webinaire. Et pour nous, à Dazo, de vous remercier vivement de vos interventions sur ce thème pas facile à traiter et qui, je pense, en tout cas, a porté de l'apaisement à beaucoup. Parce que ce que dit M. Stradley, il parle de spiritualité et il dit, mais en fait, c'est aussi écouter les patients, c'est être à leur écoute. Et puis, ça peut se manifester dans des techniques simples, non moralisatrices, qui vont faire simplement du bien aux patients. Et je voudrais dire que Adaso, qui est une association de soins de support, eh bien, vraiment l'objectif à travers une équipe de professionnels, hein, qu'ils soient de la santé, mais formés à différentes techniques, hein, comme l'hypnose, la méditation, l'art-thérapie, de psychologues, de psychothérapeutes qui ont un très, très beau parcours. Tous ces gens sont là à l'écoute des personnes. Et on se rend compte que c'est ce qui est le plus important. Avoir une activité comme le Qigong ou le yoga, et quand vous voyez quelqu'un qui n'est pas sorti de son lit depuis plusieurs mois et qui simplement faisant des mouvements très doux, ben va se sentir mieux. Puis il va partager, parce que peut-être la spiritualité, c'est aussi le partage, c'est être écouté, puis pouvoir exprimer. Eh bien, c'est en tout cas notre objectif, c'est d'apporter un petit peu, quelque chose en plus à la médecine conventionnelle pour vraiment mobiliser ses ressources et puis permettre aux patients d'être acteurs, pleinement acteurs de sa santé. Et donc voilà, je voulais dire qu'enfin, une maison comme ça existe à Casablanca, que nous souhaitons en ouvrir d'autres. Bien sûr, il est très très important que les personnes qui accompagnent les patients soient parfaitement formées elles-mêmes à toutes ces approches, à ces techniques. Et donc voilà ce que j'avais à vous dire. Je voulais vous remercier vivement, Dr Stradley, Dr Bouet, Dr Becchio, qui a formé beaucoup, beaucoup de soignants ici à ces techniques qui apportent du bien-être, qui font du bien tout simplement et qui soulagent, qui soulagent. Donc, merci à tous. Merci vraiment. Ne tirez pas. Bien. À bientôt. À bientôt, on se dit à bientôt. Merci beaucoup. Au revoir à tous. À bientôt, on s'appellera. À bientôt, Madame Bouy. Vraiment, on restera en contact, vraiment. Merci beaucoup, Madame Sylvie. Merci à vous. Merci.